but en fait. Dans le but de participer au développement économique et social de l'Afrique. Et l'année passée, on s'est dit qu'il était nécessaire pour nous, en fait, de créer un département dans ADI, raison pour laquelle on a créé ADI Academy, dans le but, en fait, de venir en aide aux étudiants qui rencontrent des difficultés, en fait, dans leur domaine. Raison pour laquelle on a créé ADI Academy, dont le but principal pour nous, c'est de donner. D'apporter un soutien académique à ces étudiants qui rencontrent des difficultés tous les jours durant leur parcours scolaire. Ceci dit, à cause peut-être du manque d'orientation ou bien parce qu'ils n'ont personne en fait qui peut leur tenir la main. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que ce serait l'idéal pour nous d'organiser peut-être 3 ou 4 réunions par an afin de traiter les problèmes que les étudiants rencontrent. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et on a donc décidé d'inviter aujourd'hui 4 étudiants qui, selon nous, jusqu'ici, ont un parcours assez remarquable. Il s'agit de Dylan Tadom, Raoul Tadom et Teto Oscar. Donc, ils vont vous faire part de leur expérience une fois de plus. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation et bienvenue. Bon, sans toutefois tarder, je vais passer la parole à d'autres membres de ADI Academy, ceux avec qui jusqu'ici on a eu à travailler et tout se passe bien jusqu'ici, ils vont se présenter et ensuite le président ADI Academy, bon, le président de ADI Germany va modérer en fait le meeting. Bon, si vous avez des questions, Il me faut vraiment faire ce virtuel. Francis, s'il te plaît, tu peux. Ok, merci. Bon, si vous avez des questions, gardez-les, vous aurez l'occasion de les poser à la fin du meeting. Merci et une fois de plus, bienvenue. Bon, je passe la parole à Franck. Salut à tous, je m'appelle Franck Fauguin-Camguin, étudiant en master mécatronique et robotique à l'université d'Hanovre et donc également membre d'ADI académique. Moi, c'est Varette Maté, étudiant en master énergie efficience et énergie management à la TA de Bingham, également membre de ADI Academy. Christophe. Bonjour à tous, moi c'est Christophe Yopmo, étudiant en informatique à la HTV de Saarbrücken et je suis également membre de ATI Académique et je serai là ce soir pour cette présentation. Ok. Et ensuite, Dimitri. Bonsoir encore à tout le monde et bienvenue au webinaire justement sur comment financer ses études en Allemagne. Moi, c'est Mbé Dimitri, étudiant en biomimétisme à la Hochschule de Brême et actuellement président de ADI Germany. Donc, comme Delphine l'a si bien dit, notre objectif aujourd'hui est justement de faire un partage d'expérience. C'est pour cette raison qu'on a ces 3 personnes-là qui justement ont présenté par leur parcours un certain nombre d'expériences qu'aujourd'hui ils vont partager avec nous. Donc, de ma part encore, merci à nos 3 invités, à Oscar, docteur ingénieur Oscar Tito, c'est un titre à respecter, à Raoul et à Monsieur Dylan Tadoum pour d'avoir accepté l'invitation et de justement partager leur expérience aujourd'hui avec nous. Donc, comme Delphine l'a dit, je serai aujourd'hui le modérateur. On va donc commencer justement par une brève présentation de nos invités. Ce serait avec honneur. Ils vont se présenter premièrement. Ensuite, l'équipe de ADI Académique a prévu une toute petite présentation PowerPoint que l'on va faire par la suite. Et à la fin, on aura une séance d'échange, c'est-à-dire tout le monde, on pourra poser des questions aux panélistes, aux invités. Vous aurez aussi les autres l'occasion de poser des questions, des problématiques ou alors des situations peut-être auxquelles vous avez été confrontés ou alors peut-être aussi partager vos expériences pour qu'on en apprenne tous. Donc, sans plus tarder, alors, je vais passer la parole rapidement à Oscar Tito
Il va se présenter et ensuite les autres vont suivre. Okay. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Moi, c'est Jean-Oscar Tomgateto, le nom complet, mais brièvement, on m'appelle généralement Oscar Teto. Donc, quoi, je suis actuellement employé de la firme IAFOR GmbH comme MBA Consigneur. Mais avant ça, j'ai eu à promouvoir à la Technische Université de Kaiserslautern. Et mon parcours jusqu'à présent est considéré comme atypique et je pense d'où l'invitation à ce webinaire pour pouvoir partager mon expérience au niveau académique. Et je pense l'expérience que j'ai dans ce domaine aussi avec la création du groupe soutien académique à Kaiserslautern qui a pour but de unterstützen aussi les étudiants dans le volet académique. Ça fait une bonne expérience que je peux partager avec les participants ici. Je me crois d'être un des invités. Merci, Oscar. Je crois que Dylan Talon peut prendre la suite. Merci. Encore bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très, très, très honoré de participer à ce webinaire. Je ne sais pas la quantième édition, mais très, très honoré d'être là parmi vous pour vous partager mon expérience. J'espère qu'au sorti de cela, quelques personnes pourraient vraiment tirer profit de cette expérience que j'ai eue. Et voilà. Donc, actuellement, je suis wissenschaftlicher Mitarbeiter à la RWTH Aachen dans le domaine de batterie et système technique. Et j'ai étudié électrotechnique à la TU de Braunschweig. Et suite à cela, j'ai eu une petite expérience dans le monde professionnel, mais j'ai jugé mieux de continuer dans le monde académique. Merci. Merci Dylan pour la présentation. On va terminer donc avec celle de Raoul. OK. Merci beaucoup, Dimitri, de me passer la parole. Je ne saurais débuter sans remercier ADI pour tout ce qu'ADI fait pour la communauté camerounaise ici. Et merci particulier à Delphine qui a toujours tenu à ce que nous autres, nous puissions apporter notre expérience pour que la jeunesse puisse en profiter. Voilà, moi, c'est Raoul Tadoum. Je suis étudiant à la TU de Braunschweig. Je fais actuellement un master spécialisation en électro-ingénierie et parallèlement, je suis employé en temps partiel à la Volkswagen Financial Service. Et je suis aussi très engagé sur le côté social, quoi. Je suis président de l'association des Camerounais de ma ville. Voilà, quoi. Grosso modo, je pense que c'est en cela que j'ai été convié à partager ce débat avec vous. Bon, merci Raoul pour la présentation. Là, tout de suite, on va sans tarder passer à la petite présentation PowerPoint comme annoncé plus tôt. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer rapidement et Franck va donc prendre la relève. Franck Fogain, merci. OK, merci Dimitri. On m'entend bien? Oui. OK, là, je partage mon deuxième écran. Mon écran est visible. OK. Dans ce cas, je mets mon écran. OK, bon. De nouveau, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Pour que les échanges soient fructueux, il est intéressant d'abord de faire une petite présentation pour que chacun ait de bonnes bases et du moins chacun ait des informations de base. Et bien après, à la fin de cette présentation, effectivement, si vous avez encore des zones d'ombre ou si vous avez d'autres questions, on pourra effectivement répondre à cela dans les échanges. Alors, la structure de cette présentation, elle est assez courte et elle va aller dans les différents domaines essentiels, c'est-à-dire on va présenter les différents jobs étudiants qu'on peut avoir, les différents financements. On va présenter dans un deuxième temps la bourse, les différentes bourses allemandes qu'on peut avoir. Et ensuite, à la fin, il y aura donné quelques plateformes utiles avec lesquelles chacun, de son côté, pour de façon autonome, rechercher des VH Student, des EV, rechercher des bourses, ou encore voir même améliorer son profil, voir muscler son profil. Et à la fin, justement, il y aura dans cette table ronde avec des invités également, vos questions à la fin.
Bon, tout d'abord, commençons par les différents jobs et types de jobs étudiants qu'il y a en Allemagne. Alors, dans un premier temps, en Allemagne, il est possible effectivement de se financer de différentes façons. On peut travailler en entreprise, on peut travailler à l'université, on peut travailler dans les lagers pour le Putzen, ainsi de suite. Mais à AD Académique, on s'est décidé de présenter uniquement, on va dire, des jobs qui n'ont pas forcément une meilleure valeur, entre parenthèses, ne pas dire que les jobs comme les lagers sont dévalorisants, mais d'une part, qui rapportent un revenu stable, qui vous forment, qui vous développent personnellement, et également qui vous facilite l'entrée dans le monde de l'emploi plus tard. Donc, dans ce cas-là, on va donc commencer par le typique Werkstudent. Alors, de façon générale, Werkstudent veut tout simplement dire un étudiant qui travaille à côté de ses études. Donc, c'est un terme général, juridique, encadré. Et forcément, il peut y avoir plusieurs nuances. Et justement, ici, dans cette présentation, par Werkstudent, on va particulièrement se référer à un étudiant qui travaille en entreprise. Bien que c'est également le bigriff général pour tout étudiant qui travaille à côté des études. Et donc, c'est un statut régulé par la loi. Il y a plusieurs types de lois, bien qu'on n'a pas voulu les énumérer ici, parce qu'effectivement, comme vous savez, en Allemagne, c'est un État fédéral et chaque Bundesland, voire chaque ville parfois peut avoir ses nuances. Donc, il est fortement encouragé ici pour chacun, dans sa recherche de Werkstudent, suivant sa localité, de regarder encore quelles sont les législations qui sont actives dans son Bundesland. Sinon, une loi très commune pour les Werkstudenten, c'est par exemple qu'on n'a pas le droit de dépasser, de travailler plus de 20 heures par semaine pendant le semestre, pendant les cours. Et donc, cette petite définition, bref, passons donc aux compétences demandées. Parce que, OK, on veut avoir un Werkstudent, mais d'abord, il faut être le plus important, en fait, avant de chercher à avoir un Werkstudent, c'est de savoir quelles sont les compétences qu'on demande. Et dans un premier temps, compétences surprise, éventuellement, il faut de bonnes notes. C'est un point assez important parce que suivant l'entreprise dans laquelle vous vous candidatez, que ce soit une petite et moyenne entreprise à une grosse entreprise où il y a beaucoup de candidats, ce point sera de plus en plus important. Par exemple, Volkswagen, si vous partez sur sa page carrière, très souvent, il écrit explicitement, si vous n'avez pas de travail comme affaire à montant, ne vous candidatez, ne déposez même pas votre brevet. Bon, c'est souvent c'est écrit sur la page. Donc, c'est travail comme affaire à montant. Donc, c'est un critère assez important pour avoir de bonnes notes. Et ici, permettez-moi d'avoir une certaine discrétion, c'est tout. J'encouragerais beaucoup de jeunes ici. Nous sommes tous étudiants, de vraiment le prendre très à cœur les études, parce que, effectivement, que ce soit pour les financements présentement, que ce soit à cause avec le stress du BE de à côté, ou encore pour l'avenir plus tard, prendre au sérieux ces études nous évite beaucoup de problèmes et nous ouvre beaucoup de portes. Et donc, sans toutefois digresser dessus, passons au prochain facteur qui est, par exemple, être fiable. Alors, on va se dire, OK, pourquoi particulièrement dénoter le fait d'être fiable? Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'arriver en Allemagne et forcément, il y a ce choc culturel. Et il faut savoir que contrairement aux pays où certains laxismes sont tolérés déjà, ma grand-mère décédée, une grand-mère qui décède 3 fois par an, ici en Allemagne, par exemple, culturellement parlant, ce n'est de moins en moins toléré. Les Allemands sont assez pinglish sur le Zufälligkeit et particulièrement si on veut travailler en entreprise, c'est un truc assez important parce que si ce facteur particulièrement n'est pas bon ou c'est mal bévête de votre côté, il peut s'avérer qu'on ne prolonge tout simplement pas le contrat. Donc, raison pour laquelle ce point particulier a été précisé, Zufälligkeit. Et donc, bien évidemment, par la suite, il y a des différents points bien connus, des hard skills, des soft skills qu'on peut éventuellement demander suivant le poste, c'est-à-dire des connaissances en MS Office, des langages de programmation, des softwares. Et également, des soft skills qui peuvent être intéressants, comme par exemple l'engagement social. Il y a des entreprises, plus ou moins selon leur philosophie, qui peuvent prendre ça en compte. À l'exemple, par exemple, de Bosch, qui met explicitement que c'est un facteur qu'ils vont prendre en compte. Là, comme engagement social, par exemple, un engagement, par exemple, dans un Verein comme ADI peut compter là-dedans. Et donc, bien évidemment, les langues comme l'anglais et l'allemand. Et là, effectivement, encore une remarque pour ceux qui viennent, pour les nouveaux arrivants, c'est que ne négligez absolument pas la langue. La langue, particulièrement l'allemand, et dans un deuxième temps, l'anglais, suivant le Ausrichtung de l'entreprise dans laquelle vous allez aller, c'est un point très important pour vous débloquer ou du moins pour faciliter votre intégration. Donc, là aussi, il est donc fortement encouragé de ne pas négliger la langue. Et si vous avez des déficits, bien que vous ayez votre DSA, 1, 2, 3, si vous remarquez les déficits, n'hésitez pas pendant les études à prendre encore des cours de langue qui restent pour la plupart gratuits.
Après avoir passé ce temps sur les compétences demandées, voyons dans les documents qu'on demande très souvent. Et dans un premier temps, effectivement, il y a les classiques CV, lettres de motivation. Et bien comme vous le disiez, il a précisé que, s'il vous plaît, il est important de personnaliser son CV, sa lettre de motivation, suivant la candidature, suivant l'entreprise où on candidate. Parce qu'une erreur récurrente, justement, ici, c'est de vite de faire un CV très rapidement, de lettre de motivation, de copier une lettre de motivation en Allemagne en ligne bien rédigée et de changer juste, de remplacer juste le nom et d'envoyer ce même document à 50 entreprises à la fois. Et bien évidemment, ne soyez pas étonné qu'à la fin, vous ayez 50 de refus. Parce que un point très essentiel que les entreprises regardent, c'est également le d'abord d'une part un CV bien construit, cohérent, pour qu'on ait un premier aperçu de vous et une lettre de motivation dans laquelle vous allez devoir essayer justement d'attirer l'intérêt de l'entreprise. Parce qu'il s'agit ici justement, tout comme dans les cas de marketing et tout, il s'agit de montrer à l'entreprise qu'est-ce qu'elle gagne à vous recruter. Et c'est dans cette lettre de motivation que vous allez écrire cela. Et ça permet justement de se démarquer. Si par exemple, sur le plan des notes, ce n'est pas forcément bon, ce n'est pas grave. Par contre, à travers un bon CV, surtout une très bonne lettre de motivation, vous pouvez très facilement vous démarquer. Donc, ce n'est vraiment pas un plan à négliger. Et n'hésitez pas éventuellement, si vous avez des difficultés là-dessus, à prendre des coaching ou encore d'avoir des professionnels. Même dans la communauté, il y a de plus en plus de personnes qui se proposent à orienter dans ce sens-là. Et dans la suite, justement, étant donné que les notes sont éventuellement importantes, il faut éventuellement ajouter un Notenspiegel. Et si éventuellement vous avez d'autres certifications, bon, ça en extra pour rendre le dossier plus béton, vous pouvez les ajouter. Ou encore éventuellement des références, c'est-à-dire des personnes qui peuvent attester de vos compétences, soit en écrivant une lettre de recommandation ou en donnant leur contact. Et ils seront prêts à répondre au cas où l'entreprise les contacte. Mais ça, c'est un cas, ça, c'est beaucoup plus récurrent lorsqu'on fait une embauche définitive qu'un VH tout de même. On le note quand même. Et donc, maintenant qu'on est conscient de tout cela, comment est-ce qu'on trouve dans VH tout de même? Et donc, il y a différents canaux en quelque sorte, dont le premier, effectivement, sont les réseaux professionnels. Très important, il est important, si on cherche, si on veut vraiment trouver des opportunités de travail, d'être présent en fait sur les réseaux. Mais bien évidemment, comme vous le savez, pas face sur Facebook ou Instagram, mais particulièrement sur les réseaux professionnels, dont le classique LinkedIn, ou éventuellement encore Xing, qui est aussi présent ici en Allemagne. Et un autre canal serait justement les job buzz et les bourses d'emploi des universités, très souvent dénommées Schwarzes Brett, qui ont très souvent, soit il y a une page, vous allez sur la page de votre université, très souvent il doit y avoir une page job buzz au Schwarzes Brett, qui font des briefs qu'on utilise très souvent, ou encore sur le plan physique, dans le bâtiment de l'université, vous avez un mur où il y aura très souvent des offres qui seront collées, qui vont aller du home zoo qu'il fait jusqu'au VH2 ou un emploi définitif. Bien évidemment, il y a encore d'autres offres, il y a d'autres canaux du genre des job portals, des moteurs de recherche comme Job Vector, Stepstone, Indeed. Et ici, il a remarqué éventuellement que très souvent, il y a des job vectors, il y a des recherches, il y a des moteurs de recherche qui sont généraux dans le sens où tout profil, que ce soit un ingénieur, un scientifique ou encore un businessman ou un académicien dans l'économie, il couvre tous les types d'emplois. Par contre, il y a des moteurs de recherche qui sont plus spécialisés soit pour les ingénieurs, soit pour les personnes en finance, soit pour les philosophes et ainsi de suite. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Et bon, voilà quelques ici, mais comme toujours, il serait important plus tard encore d'aller, suivant votre profil, suivant votre domaine d'intérêt, à trouver de trouver les meilleurs moteurs de recherche pour votre domaine. Mais sinon, voici plus ou moins les plus connus. Et comme effectivement, il y a la possibilité que d'aller directement sur le moteur de recherche, vous pouvez plutôt directement aller sur la page de l'entreprise qui vous intéresse et aller tout simplement dans l'onglet carrière et voir qu'est-ce que l'entreprise peut éventuellement vous proposer. Et je finirai donc par le classique vitamine B, un Begriff en allemand qui veut dire vitamine Beziehung, qui veut tout simplement dire justement qu'il n'y a pas le réseautage, pas des camps. Ça peut être un camarade allemand, ça peut être un professeur qui vous passe une info ou encore un partenaire que vous rencontrez au football ou à la danse. Et effectivement, il y a toujours la possibilité de ce BVB initiative. C'est-à-dire l'entreprise ne propose pas de poste clair, de VH2, mais vous prenez sur vous
vous entreprenez justement par vous-même de candidater. Et c'est ce qu'on appelle une initiative de verbe. Suivant la philosophie, la structure de l'entreprise, cette méthode peut être plus ou moins fructueuse. Mais en gros, quand vous voulez vous candidater de façon initiative, il serait donc très important d'avoir à l'avance, en prérequis, un profil plus ou moins en béton. Et on va le voir à la fin, c'est tout à fait possible. Et en continuant dans la deuxième forme de financement qu'on peut avoir sur les IV, Hilfskraftwissenschaft. Alors, c'est tout à fait un verbe soudain, c'est-à-dire que vous travaillez également, mais pour la particularité, c'est que vous travaillez justement dans le secteur académique, dans les universités ou les centres de recherche. Cette précision, ce statut particulier de IV apporte certaines nuances suivant le département, suivant le Bundesland. Par exemple, les lois sont parfois un peu légèrement différentes. Par exemple, je vais prendre le cas de mon université, l'université d'Hanovre, où justement vous avez le droit de travailler 86 heures par mois. Ou encore l'université médicale d'Hanovre, où on peut travailler 82 heures par mois. Autant qu'on a vu pour le Verstuden, c'est très souvent limité à 80 heures par mois, donc soit 20 heures par semaine pendant le semestre. Donc, il y a cette petite différence. Donc, je vous invite également, suivant le Bundesland où vous trouvez, surtout suivant l'université, comme vous avez vu, ça peut varier suivant les universités, de voir justement quelles sont les règles justement qui encadrent un Tätigkeit en tant que IV. Et donc, petite note également, c'est qu'en tant que IV à l'université, il y a des tâches qui ne sont pas comptées, à savoir les tâches non académiques très souvent, du genre Putzen ou Lager ou tout simplement Techniker. Très souvent, quand on vous a acheté en tant que student, quand on vous recrute, c'est pour des tâches, on va dire, académiques, on va dire des tâches, on va dire, plus ou moins intellectuelles, entre parenthèses. Donc, quelles sont les compétences qu'on demande pour des IV, en principe? Alors, étant donné que c'est dans le secteur académique, un point assez important pour les IV sont les notes. Des soft skills du genre engagement social ou encore lettre de motivation, parfois ce n'est pas si important. Mais très souvent, ce qu'on va regarder en tant que IV, c'est ton parcours, résumé dans un CV et sur toutes tes notes. Et cela aide de plus parce que quand on veut être IV, très souvent, on travaille soit pour le faire valoir de l'université, soit pour un institut particulier. Et ce qui va donc faciliter d'avoir décoché un poste en tant que IV, c'est justement d'avoir les bonnes notes de façon générale, mais surtout particulièrement dans les matières que propose cet institut. C'est-à-dire, si vous voulez travailler dans l'institut de Grundlagen électrotechnique, ça peut éventuellement aider si vous avez de bonnes notes, voire de très bonnes notes dans les matières comme électrotechnique 1 ou 2. Et bien évidemment, on peut demander éventuellement souvent le poste si vous voulez travailler dans le Forschung, des hard skills, genre oui, certaines manipulations de software comme MATLAB ou C++. Bien que si vous montrez un bon profil, c'est-à-dire de très bonnes notes, il arrive très souvent que les encadreurs sont prêts à vous laisser un temps d'adaptation, à vous laisser un temps pour apprendre. C'est assez, que ce plan est parfois plus flexible qu'en entreprise. Et donc, maintenant qu'on a couvert ce point, maintenant, quels sont les documents demandés? Bon, très souvent, pour le cas du IV, fait qu'il va très, très souvent revenir, c'est bien évidemment le curriculum vitae, mais également le Notenspiegel, les notes, parce que comme je l'ai dit, c'est le critère très souvent principal pour un poste des IV. Et éventuellement, souvent, le cas est lettre de motivation. Et bien évidemment, comme pour un verre student, des extraits du genre certification ou encore référence peuvent aider, mais très souvent pas forcément nécessaire. Alors, pour trouver maintenant un IV, vu qu'on est dans le secteur académique, donc on va forcément regarder dans la bourse d'emploi de l'université à laquelle on étudie, ou du moins des universités de la ville, parce que étant étudiant, par exemple, à la Hochschule ou à la Fachhochschule, on peut aussi être engagé comme IV à l'université classique. Donc, c'est aussi un point à noter. Et donc, soit vous allez sur la page principale de l'université, soit vous allez directement sur la page des instituts même, parce que très souvent, chaque institut a sa propre page et c'est là-bas qu'elle poste très souvent ses propres offres. Ici, pour la vitamine B, en quelque sorte, peut compter, c'est-à-dire un camarade, un professeur ou un Übungsleiter qui vous apprécie ou devant lequel vous êtes remarqué. Et de temps en temps, ça arrive que certaines universités postent également des offres sur des plateformes comme LinkedIn aussi. Assez rare, mais c'est aussi possible. Et bien évidemment, ici également, une initiative, c'est-à-dire il n'y a pas d'offre précise,
mais vous candidatez quand même. C'est également possible pour les IV, bien que ce qui va particulièrement favoriser une initiative de verbum dans le cadre d'un IV, ce sont les notes. Comme j'ai dit très souvent, IFI, quand on parle de notes pour l'initiative de verbum, ça part quand même dans l'ordre de 1,3, 1,0, 0,5. Raison pour laquelle encore ici, et je vais très souvent le répéter encore ici, ça aide, ça facilite vraiment beaucoup de choses lorsqu'on prend ces études au sérieux et on essaie de donner au maximum. Ce n'est pas la fin du monde si on a des échecs ou si ça n'avance pas comme on veut, mais l'essentiel, c'est de donner son maximum et très souvent, on va récolter des fruits. Donc, quand vous avez, par exemple, des notes comme 1,0, 1,3, très souvent, vous allez sur la page de l'institut où vous avez eu ces notes-là, vous regardez, par exemple, les forges ou projets que les instituts proposent. Vous pouvez directement contacter l'encadreur, le responsable de ce fonction project ou de ce projet en quelque sorte, et vous candidatez, vous dites, OK, voilà, j'ai eu des cours, j'ai suivi tel cours chez vous, voilà les notes que j'ai eues, 1,0, 1,3, et je suis intéressé à ce projet. Est-ce que je peux avoir un poste? Et plus la note en réalité sera bonne, c'est-à-dire de 2,3 à montant, et plus ils seront prêts à vous trouver même un poste, même si en réalité, il n'y a pas vraiment. Donc, encore une fois, ça aide beaucoup. Donc, maintenant, là, on a la fin de la présentation des différents jobs fair student ou EV. Et bien évidemment, on peut se poser la question, OK, quel est le meilleur ou qu'est-ce qu'on doit préférer, quel est le best en quelque sorte. Et comme vous attendez, ce ne sera pas une question, il n'y aura pas de réponse binaire, déjà, tel est mieux que l'autre. Cela va dépendre de certains critères et qu'est-ce que vous prenez le plus en compte. De façon générale, si on prend le plan de la rémunération, et là, je vais aller à gauche, sur VH Student, très souvent, les VH Student sont mieux rémunérés que la EV. Et ça dépend des entreprises. Ça peut aller de 12 euros à 16, 17 euros, voire 23 euros, suivant qu'on parle d'une petite entreprise à d'autres entreprises comme Bosch, Volkswagen ou encore McKinsey. Donc, les variations sont... La paie par heure est variable et peut être très élevée. Par contre, pour les EV, c'est encadré par le Bundesland, par la loi, c'est-à-dire rémunération sans bachelor, c'est à peu près 10,43 euros, si je ne me trompe pas, et avec un bachelor, ça passe à 10,69 euros sans bachelor et 12,43 euros quand on a un bachelor. Donc, vous voyez, avec un VH-Student, très souvent, ça c'est plus élevé. Donc, voilà, on peut dire un avantage du VH-Student. Un autre avantage, on te parlait du VH-Student, c'est la sécurité financière, dans le sens où si vous prenez, vous avez un poste en VH Student, sauf si vous respectez les critères du genre, tel était mentionné en haut, la fiabilité, et cela est très important. Principalement, les entreprises sont prêtes à vous garder et tout au long de vos études. Donc, ça peut être une source financière stable que vous aurez tout au long de vos études. Et après, comme on va voir plus après, vous pourrez être embauché. Un petit désavantage pour le cas des EV, justement, c'est le fait que très souvent les contrats sont limités. Dans le sens, 2 mois, 3 mois, au maximum 6 mois en règle. Et donc, ça fait de sorte que parfois, ce sont des contrats, parfois à la fin d'un contrat, vous êtes obligé d'aller chercher un autre. Et donc, ça crée, comme on va l'avoir plus tard, une certaine flexibilité, mais en même temps, ça crée une petite insécurité dans le sens où vous devez tout être à l'affût de trouver un autre contrat après avoir fini celui que vous avez actuellement. Mais par contre, quand il arrive que justement vous avez de très bonnes notes et que vous travaillez dans le fonds d'un institut, très souvent, ils sont prêts à vous garder jusqu'à la fin de vos études. Mais il faut le préciser en règle, les contrats vont entre dans très souvent de 2 mois, 3 mois, voire 6 mois. Et le nombre d'heures souvent est limité à un truc comme 20, 30 heures, ainsi de suite. Et rarement 60, 80 heures. Ça, c'est lorsque vraiment vous êtes particulièrement intégré dans l'institut. Et donc, du coup, il arrive très souvent que pour subvenir à tous ces besoins en tant que EV, il faut avoir 2 voire 3 EV suivant le nombre de le revenu dont vous avez besoin. Et donc, si on continue dans le cas des VH Student, en continuant, on peut dire, OK, vous pouvez nouer vos premiers contacts professionnels. Vous pouvez avoir votre première expérience professionnelle dans le sens où vous vivez le haltak, je me lève, je pars, les séminaires, les projets, les deadlines à respecter, bref, toutes ces expériences que vous pouvez déjà acquérir en état étudiant. Et vous avez également la possibilité d'avoir des variables, non, parce que très souvent, les entreprises proposent des séminaires de formation pour ces employés et vous avez l'opportunité de pouvoir accéder à ces séminaires-là. Et bien évidemment, à la fin, lorsque vous vous êtes montré convaincant,
très souvent où il y a donc la possibilité d'être embauché à la fin de ses études. Donc voilà à peu près les avantages du Werkstudent. Néanmoins, le IV également propose certains avantages dans le sens, par exemple, de la flexibilité. Parce que très souvent, vous savez, quand vous êtes en entreprise, une entreprise est conçue justement pour le milestone. Quand il n'y a pas de milestone, ils perdent de l'argent. Et très souvent, et s'il y a un projet qui arrive, une deadline qui arrive, impossible pour vous de dire que je dois m'arrêter. Très souvent, c'est difficile de dire que je dois m'arrêter, j'ai un tel coup. Suivant la deadline, suivant l'urgence, il peut s'arriver, il sera difficile de, par exemple, d'être absent pendant un moment. Et donc, parfois, il y a cette perte en flexibilité là. Par contre, dans les IV, il arrive très souvent que parfois, tu es dans le cadre académique et l'encadreur est conscient que tu es un étudiant. Il arrive très souvent qu'effectivement, tu peux travailler en tant qu'étudiant. Il dit que okay, cette période-ci pourrait ne pas être là. Et à part s'il y a un problème exceptionnel, ça peut très souvent, ça passe. Et il peut arriver que, par exemple, pendant un mois, tu ne travailles pas du tout, c'est-à-dire tes 20 heures, et après, tu dis que tu rattrapes 16 heures le mois prochain. Ce n'est pas la règle. Je n'encourage pas à le faire, mais c'est une possibilité, par exemple, si on va dire les conditions s'imposent, de travailler moins que prévu dans le contrat un mois et l'augmenter le mois prochain. Donc voilà une certaine flexibilité que propose IV. Et un autre point également, c'est le rapport travail effectif payé. Parce que très souvent dans les IV, quand les contrats sont proposés, quand le nombre d'heures par travail est proposé, c'est-à-dire 20 heures par semaine ou 30 heures par semaine, il s'avère que, par exemple, c'est pour gérer par exemple des groupes Nubon, c'est pour gérer les TD. Il s'avère que sur les 30 heures où vous devez être présent, environ, on va dire 15 heures à 20 heures. Et vous avez environ un pouf, vous avez une marge de 10, 15 heures environ, qui, on va dire, on vous donne pour vous préparer, par exemple, au Ubon. Et suivant, si vous êtes calé dans le job qu'on vous a donné, très souvent, vous n'avez pas besoin de 16 heures, là, celui qui fait que vous travaillez en réalité moins que la somme qu'on vous paye. Donc, voilà, peut-être éventuellement un critère qui peut entrer en compte. Et donc, bien évidemment, en tant que IV, vous avez vos premiers contacts académiques, ce qui est important si vous comptez éventuellement plus tard promouvoir en quelque sorte. Parce que très souvent, si vous comptez promouvoir et si vous quittez par exemple l'université, on peut demander des références, c'est-à-dire quelqu'un qui peut attester que vous avez de bonnes performances académiques et ça peut être utile lorsque vous êtes IV. Et donc, un dernier avantage pour le cas des IV, justement, c'est l'acquisition de compétences précises. Parce que comme il disait tantôt, vous avez la possibilité justement en tant qu'IV de candidater, d'aller dans les pages des instituts, de voir le projet et directement voir, OK, dans quel projet vous aimeriez travailler, ou bien vous voyez ces annonces. Et dans ces annonces-là, très souvent, il y a un projet précis, on vous dit il est décrit la tâche que vous aurez à avoir. Et ça vous permet, en tant qu'IV, justement, si vous alignez ces différents IV jobs ou ces différents projets, d'avoir les différentes compétences. Ce qui peut être éventuellement avantageux par rapport au Werkstudent, où très souvent, vous êtes engagé en tant qu'assistant d'un ingénieur. Et il peut donc très souvent arriver aussi, ce n'est pas tout le temps le cas, que vous soyez relégué aux tâches administratives, déjà préparation de la présentation et ainsi de suite. Donc voilà aussi un point qu'on peut prendre en compte. Et sinon, voilà à peu près une comparaison plus ou moins non exhaustive entre Werkstudent et les IV. Et ce qu'on devrait retenir ici, justement, c'est justement, il n'y a pas un qui est de facto meilleur que l'autre. Chacun devra juste prendre en compte, regarder les critères qui lui tiennent le plus à cœur, que ce soit la sécurité financière, que ce soit l'envie d'être embauché dans une entreprise précise, ou que ce soit l'envie de faire une carrière académique, une promotion. Et donc, maintenant qu'on a fini ce point justement sur les différents jobs qu'on peut avoir, en Allemagne, il y a aussi la possibilité d'avoir de l'argent, si on peut dire comme ça, un job. Et justement, ce qui sont dans ces bourses allemandes qui, effectivement, où on peut candidater et recevoir une certaine somme par mois et une certaine période. Et donc, commençons directement par les critères des bourses allemandes. Et donc, dans un premier temps, suivant la bourse allemande, il faut savoir que la bourse allemande, les critères vont dépendre du Fördergeber, de celui qui donne la bourse. Et suivant la philosophie de la personne qui donne la bourse, tel ou tel critère sera plus ou moins important. Par exemple, si pour le Förderer, par exemple, le critère principal, c'est le milestone. Alors là, il faudra avoir de très bonnes notes. Quand on dit de très bonnes notes, ça commence avec 1 et ça monte. Hein. Si un autre critère, par exemple, c'est l'engagement social, comme par exemple le social stipendium, là, on va particulièrement regarder plutôt l'engagement social. Ou encore, si le Förderer, par exemple, c'est un Stiftung de la CDU, par exemple, qui est un parti politique ici en Allemagne, là, on va regarder l'engagement politique, par exemple. Et donc,
Là, quand on parle d'engagement social, encore, je refais un petit verbe pour ADI, à vous engager justement à ADI. Bien que ça fait difficile d'avoir un engagement social à côté des études, vous voyez ici présent qu'avec une bourse, justement, plus tard, vous pourrez avoir justement cette réduction-là. Avec votre engagement à ADI, par exemple, vous pouvez avoir une bourse et ça va vous réduire le nombre d'heures de travail que vous avez à avoir par mois et vous pourrez plus vous concentrer sur les études. Mais donc, d'une façon générale, donc, comme je disais, le critère justement dépend de la philosophie de la bourse. Ça peut aller, ils peuvent regarder par exemple la filière, si ça, on encadre uniquement une filière précise ou un statut particulier du genre, est-ce que c'est un réfugié, c'est un handicapé, est-ce que c'est une femme? Et là, j'encourage justement les femmes, les dames ici présentes justement à beaucoup utiliser ce point-là parce qu'il y a très souvent, c'est un critère qui entre en compte dans beaucoup dans beaucoup de stipendiums, en quelque sorte, dans beaucoup de bourses. Donc, et ici, il est marqué première génération d'académiciens. Ça veut tout simplement dire, est-ce que si dans une famille, justement, vous êtes le premier à faire des études universitaires? C'est un critère qui concerne parfois un peu plus les Allemands, mais bon, si vous pouvez prouver cela, ça peut entrer aussi en compte. Et sinon, d'une façon générale, pour les bourses, très souvent, ce sont plusieurs critères qui entrent ensemble, qui sont évalués pour désigner la personne qui aura la bourse. Du moins le nombre de personnes qui auront cette bourse. Et donc, quelles sont donc ces différentes bourses-là qu'on peut avoir? Il y a différents types de bourses en Allemagne, raison pour laquelle cette liste ici présente n'est absolument pas exhaustive, raison pour laquelle à la fin, on va vous donner des liens où vous pourrez chercher les différentes bourses disponibles et suivant le profil que vous avez, vos critères, vous pourrez trouver la bourse qui passe avec vous. Donc, néanmoins, on peut citer quelques bourses qui sont très connues comme le Deutschland Stipendium, qui est on va dire, la plus grande bourse proposé par l'État allemand, qui est un feu de rond d'ordre de 300 euros par mois, si je ne me trompe pas, sur une durée d'un an renouvelable. Imaginez 300 euros par mois que vous avez gratuitement sans avoir à rembourser, sans avoir à faire une chose particulière pour avoir cet argent-là. Vous recevez ces 300 euros par mois sur une durée d'un an et vous pouvez renouveler. Maintenant, il s'est précisé que pour les bébés bon frise, cela également dépend. Pour les candidatures, cela dépend également des départements, des Bundesländer. Donc, je vous encourage justement pour le Deutschland Stipendium à regarder dans votre état quels sont les délais et effectivement à candidater. Et ici, il a remarqué justement pour le Deutschland Stipendium, qui est la bourse la plus importante, que les critères principaux ici justement sont d'une part les notes et l'engagement social. Et donc, suivant justement votre engagement social, même si les notes ne sont pas dans le top top, avec un certain engagement social, vous pouvez également améliorer votre profil. Mais bon, allons un peu plus vite. Et là, il y a d'autres stipendiums, des social stipendiums, justement, pour primer l'engagement social, ou encore le Alleinerziehende Stipendium, pour les femmes qui ont des enfants et qui sont seules. Il y a, par exemple, le DAAD Stipendium. Le DAAD, que plusieurs connaissent ici, propose plusieurs stipendiums. Et pour chaque bourse, en fait, pour le DAAD, il y a des critères particuliers. Et à la fin, on va revenir sur cela à la fin quand on va présenter les différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Et donc, oui, vous tenez même feu également. Et donc, voilà, donc, à ce niveau, donc, on va donc passer donc justement aux plateformes utiles. Je précise ici justement pour les plateformes utiles, justement, on a résumé. Oups, désolé. Ici, il était résumé, vous pouvez éventuellement faire un screenshot. Quelques plateformes utiles suivant le mindset, la méthode à avoir pour pouvoir trouver son financement, son virement soudain ou sa bourse. Comme vous avez remarqué ici, justement, il y a possibilité de se financer. Les études ne doivent pas toujours corréler avec souffrance, famine et ainsi de suite. Il est possible d'avoir des bourses. Mais comme vous l'avez également remarqué, pour ces opportunités-là, il y a très souvent des critères. Alors, le mindset, ce que j'aimerais donc, c'est que ADI Academy aimerait que vous reteniez ici dans ce séminaire, c'est justement quel est le mindset que vous devez avoir, ou du moins quelle est la stratégie à avoir si vous voulez décrocher le poste que vous aimerez avoir, le poste que vous visez. Donc, dans un premier temps, quand vous voyez les plateformes qu'on résume ici, justement pour les réseaux professionnels, il est essentiel d'avoir une présence en ligne. Dans un premier temps, pour pouvoir faire du réseautage, pour pouvoir trouver des offres. Dans un deuxième temps, il arrive très souvent également que les entreprises qui recherchent des profils particuliers envoient des chasseurs de tête trouver le profil qu'ils recherchent. Et si vous n'avez pas de présence en ligne, à savoir sur LinkedIn, qui est la plateforme principale, ou encore sur Think, ben, vous perdez cette opportunité-là, quoi. Et raison pour laquelle, point très précis, ayez une présence en ligne, à savoir sur LinkedIn ou sur Think.
Non, dans un deuxième temps, pour un stipendium, comme je disais tantôt, il y a énormément en Allemagne et sur différents critères. Et donc, les filles, par exemple, pouvaient aller sur MyStipendium, qui était un Datenbank, en quelque sorte, qui résume la plupart des stipendiums que vous pouvez trouver en Allemagne. Ou encore aller sur le DAD et voir les différents différentes bourses ou stipendiens que le DAD propose. Et maintenant, OK, vous avez une présence en ligne, vous avez trouvé plus ou moins un stipendium dans lequel vous allez candidater, en précisant là-dessus que l'engagement social, tout comme les performances scolaires, compte. Là, maintenant, il faut rechercher l'emploi, en quelque sorte, l'emploi que vous voulez avoir. Et là, donc, ici, vous avez différentes plateformes, JobVettor, StepStone, Glassdoor, Academics, Indeed. Et ces différentes plateformes-là, justement, vont varier suivant, justement, le profil ou le domaine qu'ils encadrent. Par exemple, vous avez Indeed, qui est une plateforme généraliste où vous allez trouver des postes pour ingénieurs, pour économes, et ainsi de suite. Vous avez JobVector, qui est un peu plus concentré sur les ingénieurs. Ou encore, vous avez Academics, qui est concentré justement dans les jobs, dans le secteur académique, que ce soit justement le PhD, pour avoir un doctorat ou pour travailler en tant que vice-chef de Mitarbeiter. Et donc, il est donc important ici pour la recherche d'emploi, ça c'est une dernière remarque avant de finir, que ne pas commencer la recherche lorsqu'on en a besoin. C'est-à-dire, là maintenant on a besoin d'argent, là maintenant on a besoin de travail, et c'est là que vous commencez à faire une recherche d'emploi. On recommanderait fortement, dès la base, dès que vous êtes ici en Allemagne, commencez déjà à faire, avoir une présence sur les réseaux sociaux, sur les réseaux professionnels, pour déjà avoir la possibilité de voir également le profil des différentes personnes qui sont sur ces réseaux-là, et avoir une idée de parcours, une idée de formation que vous pouvez faire. Sur les recherches d'emploi, vous pouvez justement faire en quelque sorte, comme on peut dire, du benchmarking, c'est-à-dire vous regardez les différentes offres que propose le marché, et vous voyez les compétences qu'on demande très souvent. Qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est redondant? Par exemple, si je travaille de l'automatisation, vous regardez par exemple 10 postes, 15 postes, 20 postes, et vous voyez les postes, les critères qui reviennent très souvent, par exemple, maîtrise de SPS ou bien dans le business, maîtrise de Scrum, ou ainsi de suite. Et là, justement, au préalable, quand vous avez fait ce benchmarking, quand vous avez fondé le marché, vous avez vu les compétences qui reviennent très souvent, là, vous commencez dès à présent à vous former et à acquérir ces compétences-là. Et c'est là où intervient justement le dernier point, le Skills Upgrade, où justement, il y a différentes plateformes en ligne qui permettent justement, à côté de l'université, de pouvoir pallier ou du moins de pouvoir augmenter certaines compétences précises suivant ce dont les entreprises recherchent ou suivant vos intérêts propres. Et donc, il y a le très connu Udemy, par exemple, qui propose des formations dans différents domaines, programmation, business, dessin, CAD ou encore Photoshop, avec des prix très souvent réduits, 14, 15 euros. Il y a très souvent toujours des réductions. Il y a d'autres plateformes, par exemple, si vous prenez Coursera, IDX, qui proposent des cours en fait en ligne. Au cas où dans votre université, par exemple, vous remarquez, par exemple, vous voulez vous former dans un domaine, je ne sais pas, du big data ou du machine learning, et vous remarquez dans votre université, il n'y a pas de professeurs qui proposent ces cours-là. Mais sur des plateformes comme Coursera ou IDX, vous avez accès aux cours d'autres universités, à savoir parfois même de la Ivy League, déjà MIT ou encore Harvard, et ainsi de suite. Et bien évidemment, il y a d'autres plateformes gratuites comme Open Classroom, très connues pour la programmation, bref, pour le digital de façon générale. Il y a LinkedIn Learning. Et si on va encore aller plus loin, justement, il y a des plateformes comme Udacity qui proposent justement des compétences designées en coopération avec les entreprises comme Amazon, Mercedes, ainsi de suite. Et là, ce sont des curriculums designés, c'est-à-dire les compétences que les recruteurs, que les entreprises elles-mêmes recherchent et designées pour le marché. Et bien évidemment, ces plateformes comme Udacity ont un coût. Par exemple, Udacity, ça s'élève à une somme comme 500 euros, 300, 400 euros par mois. Donc, suivant la plateforme où vous allez aller, ça peut varier suivant le domaine, ça peut varier suivant le prix. Et donc, à vous de voir, suivant ces critères-là, qu'est-ce qui vous passe le plus, où est-ce que vous êtes prêt à investir. Et donc, je noterai ici à la fin l'écosystème ADI, parce que justement, ADI également propose des certifications à très bas coût pour acquérir certaines compétences. Ou encore, certains membres ADI eux-mêmes proposent eux-mêmes des formations privées, que ce soit dans les microcontrôleurs, que ce soit dans C++. Et donc, voilà, dans notre écosystème ADI également, vous avez la possibilité justement d'acquérir ces compétences-là. Et sinon, d'une façon générale, donc ici, je vous encourage à faire la photo pour avoir cette plateforme, de la garder et éventuellement faire vos propres recherches par la suite et à la fin, justement, être proactif, quoi. Et donc, sur ce, on arrive à la fin de la présentation. Bien évidemment, je remercie pour votre attention et on finira juste par cela.
ce séminaire, si cette fille qui t'explique qu'ils font les bases, que vous voudrez savoir, vous pouvez dans un deuxième temps faire vos propres recherches et être proactif et utiliser au maximum ces plateformes-là, parce qu'il est possible, bien évidemment, de décrocher le poste que vous voulez avoir. Le tout est une question de préparation et d'ambition. Et donc, sur ce, c'est la fin du séminaire. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre attention et je passe la main à Dimitri. Bon, merci, Franck, pour la présentation. Est-ce que tu pourrais revenir sur les différentes plateformes? Je crois qu'il y a Yolande qui voudrait faire la photo, Yolande Teto. Ouais. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui voudraient justement aussi profiter de l'occasion, ce serait une bonne chose. Voilà. OK, on espère que ce sera rapide. Donc, merci encore, Franck, pour la présentation. Je crois qu'à partir de là, chacun peut se faire un peu une idée de ce que c'est qu'un Werkstudent, ce que c'est qu'un Hivi. Et maintenant, en fonction de sa filière d'études ou alors en fonction de son domaine, s'orienter vers le job qui passe le mieux. Donc, vu que nous sommes assez nombreux, bon, pas mal. On a cru bon, par exemple, de faire deux petits sondages ou alors deux petites analyses pour ceux qui voudront bien participer. Bon, dans la salle, je suppose qu'il y a forcément ceux qui ont déjà eu à faire des Werkstudent ou alors des Hivi ou alors ceux qui font actuellement des Werkstudent ou des Hivi. Donc là, à gauche, par exemple, vous avez Werkstudent et à droite, vous avez Hivi. Ceux qui sont là, vous avez la possibilité de noter un truc sur l'écran. Donc, le jeu est assez simple. Il suffit juste de marquer ce que vous faites actuellement ou bien ce que vous avez déjà eu à faire avec Werkstudent et Hivi. Vous avez la possibilité de commenter comme ici. Vous voyez un trait là pour Werkstudent et un trait là pour Hivi. Pour ceux qui sont présents. Là, on pourra un peu se faire une idée de, voilà, d'entre nous, beaucoup plus, vers quels jobs sont beaucoup plus orientés les étudiants ici actuellement, avec Soudan ou Hivi et autres. Et après, on verra. Bon, pour l'instant, je vois, nous sommes presque à égalité. 6 contre 5, contre 4. OK. Les Werkstudent. Moi, par exemple, j'ai aussi eu à faire un Werkstudent et actuellement, je suis plutôt Hivi. OK. Donc, les Werkstudent sont aussi justement, comme Franck l'a déjà mentionné dans sa présentation, sont assez bien, ils payent aussi bien. Et les Hivi sont justement pour ceux qui font beaucoup plus aussi dans le domaine de Naturwissenschaft et dans la recherche. Donc, OK, je crois que là, on peut voir qu'effectivement, il est beaucoup plus orienté vers Student. On pourra par la suite causer avec les invités qui vont un peu nous dire comment ça s'est passé de leur côté. Et vous pourrez aussi, par la même occasion, poser vos questions. Donc, maintenant, on va passer à la séance d'échange avec nos trois invités qui ont accordé leur temps aujourd'hui. Et là, par exemple, je vais poser une première question à Raoul, qui est là dans la salle. Donc, lorsqu'on arrive en Allemagne, par exemple, nous sommes tous confrontés au système universitaire allemand, qui est très nouveau pour nous, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir justement au Cameroun. Donc, ma question serait de savoir, Raoul, ça m'intéressait de savoir comment est-ce que tu as eu connaissance des Werkstudent pour la première fois? Parce que, bon, quand on arrive là, on est encore ébloui par tout ce qu'il y a, on est encore dans les embrouilles et tout. Comment est-ce que tu as pris connaissance des Werkstudent pour la première fois? Merci, Dimitri, pour ta question très pertinente. En ce qui me concerne, je pense que mon cas ne peut pas vraiment être un exemple. Bon, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir des membres de la famille ici déjà en Allemagne à l'arrivée. D'autres n'en ont pas eu. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui nous a encadrés au départ. Lui nous a prodigué des conseils et vu son expérience, ses conseils ont été aussi très utiles, quoi. Donc, il nous avait conseillé aussi de nous orienter vers Student. Donc, il a un peu fait le travail qu'Adi ADI est en train de faire aujourd'hui, quoi. Et là, j'avais déjà très tôt pris conscience de l'importance de faire des Werkstudent ou de faire des IVI.
Et dans le milieu académique aussi, il y a un point qui joue aussi beaucoup. Il faut être un peu ouvert, quoi. Ne pas être trop fermé sur soi, communiquer avec des amis. Et là aussi, parfois, il y a des amis qui t'encouragent même à franchir le pas. Il y a certains qui ont même des compétences, mais ont peur de franchir le pas, quoi. Donc, il faut vraiment être ouvert, quoi, et soi-même être proactif pour débuter avec un Werkstudent ou un EV. OK, merci pour la réponse. Donc, comme il a dit, très souvent, c'est du bouche à oreille ou alors des petits conseils, des séminaires, des workshops pendant lesquels on peut entendre parler de ce que c'est qu'un Werkstudent. Bon, maintenant, pour Dylan, comment est-ce que tu as trouvé ton Werkstudent pour la première fois? Comment as-tu trouvé ton premier Werkstudent? Si je peux commencer, c'est un Werkstudent avec lequel tu as commencé ou un Chivi. Bon, tu as un peu plus. Merci Dimitri. Pour ma part, je peux dire, pour moi, j'ai commencé avec un Chivi, j'étais-le. Et je veux dire, j'emboîterai un peu le pas à Raoul parce qu'à l'époque, nous étions ensemble. À l'époque, je pense qu'il a raison lorsqu'il dit qu'il faut être un peu ouvert lorsqu'on est dans la recherche de soit un Werkstudent ou soit d'un Hivi. Moi, j'ai commencé avec un Hivi. À l'époque, j'étais vraiment très, très, très timide. Donc, très, très timide. Je pense que je suis encore un peu timide, mais à l'époque, c'était encore très, très, très grave. Je vois Delphine qui rit là. Elle connaît. Donc, à l'époque, on avait un ami, lui, il avait un peu cette facilité-là. Il comprenait un peu mieux le système. Et c'est lui qui m'a conseillé à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais les bonnes notes. Lui m'a conseillé, Dylan, vraiment, il serait bien pour toi d'essayer de faire un revisionnel, tout ça. Et c'est avec l'aide de mon frère, nous sommes allés voir le professeur, tout ça. Lui, il a été très, très content. Il a dit oui, sans problème. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience avec un revisionnel. Et après, je pense que j'ai aussi emboîté le pas à Franck. Avec le HIVI, c'est généralement pas facile de financer son Lebensunterhalt. Donc, généralement, il faut encore cumuler les HTLE, tout ça. Et à la longue, c'est pas facile, quoi. Donc, c'est à cause de ça, principalement, c'est la raison principale pour laquelle, avec le temps, j'ai un peu essayé de virer vers les Werkstudent parce que c'était mieux rémunéré, quoi. Mais les HIVI, c'est bien dans la mesure où on apprend plus. On est en contact direct avec les élèves, les professeurs. Je ne peux que conseiller, quoi. Bon, là, je peux te rejoindre concernant les HIVI pour le financement parce que moi, de mon expérience, par exemple, je cumule deux HIVI. Je travaille dans un institut de recherche, l'Alfred Wegener Institute, pour ceux qui connaissent. Et en parallèle aussi, je travaille avec un de mes professeurs dans un de ces groupes de recherche. Et bon, ce n'est que comme ça que j'ai pu justement pouvoir aussi avoir un certain standard. Parce que, bon, voilà, avec un seul qui vit, c'était pas vraiment évident. Donc, justement, je te rejoins à ce niveau. Ayant fait l'expérience avant d'un Werkstudent à BASF, par exemple, c'était un changement radical pour moi. Que, voilà, je quitte d'un Werkstudent avec tel standing. Maintenant, il me faut deux qui vit, par exemple, pour avoir même encore moins. Donc, ça veut dire quoi? Pour dans la recherche de Werkstudent ou bien d'un HIVI job, il faut avoir un certain mindset, il faut être ouvert et tout. Bon, maintenant, la question à Oscar, qui était, bon, si je ne me trompe pas, assez jeune. Quel était ton mindset, par exemple, lorsque tu recherchais ton premier Werkstudent ou bien ton premier HIVI job? Le mindset, bon, d'abord, merci de me passer la parole. Avant de reprendre la question, j'aimerais rajouter quelque chose à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la comparaison entre les HIVI et les Werkstudent. Je pense qu'il faut aussi préciser que la majorité des Werkstudent sont des contrats de 20 heures la semaine. Or, les HIVI, c'est rarement les contrats de même 10 heures la semaine. Je pense généralement c'est 6 heures la semaine, 8 heures la semaine. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal que pour avoir le même standing, il faudrait cumuler 2 à 3 pour avoir le même nombre d'heures par semaine. Pour pouvoir atteindre, en fait. Je pense que quelqu'un qui cumule 2 à 3 peut quand même s'en sortir. C'était juste la précision que je vais ajouter, que ce n'est pas trop dur par rapport au salaire, c'est aussi une grosse partie par rapport au nombre d'heures faites par semaine. Et lorsqu'on a le nombre d'heures équivalent, on vient à peu près à... Peut-être 100 euros de différence par mois, mais la différence n'est pas si énorme que ça.
Hormis ça maintenant par rapport à mon mindset, quel mindset j'avais? Tu devais faire. Disons, j'étais juste ouvert, en fait. J'étais directement allé. En fait, je n'étais pas passé par un étudiant, ben, je n'étais pas passé par un camarade. J'étais directement parti chez le décan parce que je pense que c'est aussi quelque chose que nous, en tant que Camerounais, on utilisait très peu. Il faudrait savoir que le lighting de l'université ou bien les facs pourraient sortir là pour nous. Donc, peu importe le problème qu'on a, on peut toujours se tourner vers eux. Et en outre, je pense que le student barrateur que beaucoup confondent au décan, il est là clairement pour nous aider. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler l'avocat des étudiants parce que c'est lui, en fait, qui peut parfois te montrer certains petits trucs, comment on vient de certaines situations dans lesquelles tu peux être matriculé ou quoi que ce soit. Et il aussi a même de pouvoir t'aider lorsque tu recherches certains trucs. Donc, je suis directement allé vers lui, je lui ai dit, OK, j'ai composé, j'ai eu tel ou tel ou tel, j'aimerais avoir quelque chose parce que financièrement, ce n'est pas trop ça. Et c'est lui qui s'est chargé, en fait, de me fournir mon premier document. OK, on peut voir mathématiques, on peut voir... Il a fait plusieurs propositions, il s'est chargé de contacter les personnes. Et avec le temps, en fait, ça s'est fait. J'ai eu le premier, je pense, mon premier visité quand j'étais déjà au deuxième semestre. Et le troisième, c'est quand j'étais... Le deuxième, c'était... Non, le premier, c'était quand j'étais au deuxième semestre, le deuxième au troisième semestre. Et le troisième... au quatrième semestre et je cumulais en fait les trois pour pouvoir financer Lebensunterhalt. Et quand on cumule les trois, on peut dire ça revient à ungefähr, je pense que j'avais 18 heures la semaine maxi, mais il y avait le temps où j'avais 12, entre 12 et 18, mais c'était largement suffisant pour pouvoir financer Lebensunterhalt, si bien évidemment on ne fait pas des dépenses énormes. Ok, merci, merci beaucoup pour le partage. Bon, ça veut dire que est-ce que tu as eu à postuler plusieurs fois? Est-ce que tu as eu à postuler dans plusieurs, pour plusieurs Stell, par exemple, avant d'obtenir ton Wechselen? Bon, moi, j'ai vraiment pas eu à postuler. C'était vraiment comme on dit, vitamine Betty, en haut. Il dit, OK, j'ai un étudiant qui a de très bonnes notes, il cherche quelque chose à faire, il essaie d'appeler un professeur. Est-ce que tu as quelque chose? Il dit que oui, d'accord. Je vais t'envoyer l'étudiant et lorsque tu passes, en fait, tu trouves, il t'explique juste ce que tu as fait et puis il peut te poser deux, trois questions et après tu signes le contrat. Mais ce n'était pas vraiment du style, je devais passer quelconque interview d'embauche ou bien envoyer. Je n'ai jamais eu envoyé de documents, surtout pour les IV. Je n'ai jamais eu envoyé de documents. À part bien évidemment les documents pour signer le contrat, parce que pour signer le contrat, on a besoin de divers documents. Bien évidemment, sinon avec qui est-ce qu'ils vont signer le contrat? Exactement. Ouais. Donc, pour Raoul maintenant, est-ce que toi, tu as postulé plusieurs fois pour plusieurs STLE et peut-être, quels sont selon toi les critères qui ont été déterminants lorsqu'on t'a pris? Quand tu as effectivement pu signer ton premier contrat, quels sont les critères ou bien tes compétences les plus déterminantes? Oui, en ce qui concerne le EV job, comme mon frère l'a si bien dit, on avait eu de bonnes notes en mathématiques, parce qu'il s'agit de mathématiques, et puis on avait rencontré le professeur et on a signé donc ici notre premier EV job en tant que tuteur de mathématiques. Parallèlement à l'université, j'étais aussi très actif sur le plan social. Il y avait une initiative qui s'appelait le SOS Project. Je pense que dans les universités, il y a aussi beaucoup de programmes ainsi. J'ai participé à ce programme-là et puis la fondatrice du programme m'a donc proposé de continuer dans le projet en tant que tuteur de mathématiques et plus tard m'a recruté comme IV au terme d'une présentation que j'avais eu à faire sur mon pays, sur le Cameroun en fait. C'est ainsi que j'ai eu mon premier IV. Après mon deuxième IV, après celui de mathématiques. Mais je pense que le plus important, c'est d'abord d'avoir ce IV-là. Parce qu'à l'université, il y a au moins cette facilité-là d'avoir déjà quelque chose. Après, ça peut servir de tremplin pour avoir un bon Werkstudent. Parce qu'après ça, lorsque je postulais pour les Werkstudent, j'avais déjà un CV quand même assez fourni. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, lorsque je postule, je suis la plupart du temps quand même invité au moins au Forschung des Sprechen. Mais j'ai aussi eu des expériences où tu postules. Parfois, bon, je postule quand même pour avoir le premier Werkstudent. J'ai beaucoup postulé aussi. Et je n'ai pas eu le succès escompté.
Donc, il fallait beaucoup postuler et tout. Là, je me suis rapproché d'un professeur, puisqu'à l'université, on a des professeurs qui nous encadrent. On appelle ça le... Bon, il y a des deux séances qu'on a avec un professeur durant notre cursus. On peut lui soumettre des doléances pour l'amélioration des conditions des étudiants à l'université. Et c'est avec ce professeur-là, on a eu une séance, il m'a un peu montré comment j'aurais fait mon brevet beau. Et lorsque j'ai suivi ses conseils et tout, après j'ai facilement eu un work student. Donc c'est passé par Siemens, Kaplan Solutions. Donc j'ai vraiment eu de très bons work students. Et ça m'a aussi permis vraiment d'apprendre beaucoup, même sur la filière que je faisais. Parce que parfois on étudie, mais on n'a pas ce pont-là. On ne voit pas concrètement ce qu'on fait à l'université, puisqu'à l'université, généralement, c'est surtout à l'université technique où j'étais, c'est beaucoup de théorie, pas vraiment de pratique. Donc, ça m'a permis vraiment de toucher du doigt le côté pratique de ma filière, quoi. Super. Donc, comme on a dit, avec le FIVI, justement, aussi, c'est un peu plus facile de gérer question temps avec les études, contrairement, par exemple, au work student, peut-être. Bon, la question va revenir à Dylan. Bon, à partir de quel semestre, par exemple, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire, il est vraiment nécessaire d'avoir un work student? Ou alors, est-ce que tu peux conseiller un jeune étudiant qui arrive là, supposons qu'il y ait des étudiants qui viennent d'arriver en Allemagne, là ça fait, c'est pas une semaine, 2 semaines, 1 mois, et il te dit, bon voilà, je vais commencer ma recherche de CV, de work student. Est-ce que, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner, déjà, premièrement, selon toi? Ah, ouais, encore merci pour la question. Donc, vraiment, j'aimerais encore réitérer ici que, comme mon frère dit souvent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, ici, là, j'aimerais juste te présenter mon expérience, en espérant que ça puisse aider quelqu'un. Donc, c'est à chacun de juger si mon expérience peut s'appliquer à lui. Mais pour moi, je dirais, dans mon cas, j'ai utilisé le premier semestre pour mieux me concentrer sur les études. Donc, pour avoir d'abord non seulement des bonnes notes, pour pouvoir postuler à des Hivestellen. Donc, je pourrais, par cela, conseiller quelqu'un qui vient de commencer avec les études de se concentrer pour le premier ou le deuxième semestre, de bien faire ses matières et d'utiliser ses notes pour pouvoir avoir de meilleures chances pour acquérir un Hivestellen, quoi. Mais toutefois, il faut aussi dire, les notes, c'est pas, c'est certes c'est important, mais c'est pas toujours le meilleur critère, quoi. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a un nul, un dry, qui doit forcément avoir un Hivestellen. Il y a aussi, comme Franck l'a dit, les soft skills. Et ça, c'est encore même plus demandé à l'entreprise. Des fois, tu vas voir un Allemand, lui n'a pas forcément les meilleures notes que toi, mais lui, il a des soft skills. Et ces soft skills-là, généralement, ça dépend aussi de la philosophie de l'entreprise qui sont des fois, ça diffère, quoi. Donc, les soft skills, il faut aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre l'accent dessus. Ne pas seulement se focaliser sur l'aspect académique, les notes, les notes, les notes. C'est important, certes, mais les soft skills sont aussi très, très, très wichtig. Donc, je conseillerais à quelqu'un, pour les premiers semestres, de se concentrer, d'abord, d'avoir les bonnes notes et parallèlement aussi travailler ses soft skills. De telle manière que au deuxième ou au troisième semestre, ils puissent facilement postuler pour un work student ou un Hivestellen, quoi. D'accord. Donc, Merci beaucoup pour la réponse. Alors, quel serait ton avis sur la question, Oscar, sur la question à laquelle Dylan vient de répondre? À partir de quel semestre est-ce que tu penses que c'est vraiment important de se lancer dans la recherche d'un work student? Bon, à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait un nombre qu'on peut donner. Je pense pas que. Moi, je dirais le facteur déterminant, c'est avoir quelque chose à faire valoir. Hein. Parce que, disons, j'ai eu à cause avec certaines personnes qui, même sans avoir étudié, donc juste déjà dès le premier semestre, ils te disent qu'ils sont à la recherche du work student. Mais quand tu ne causes pas, tu
Je comprends que ce n'est pas forcément quelque chose, ce n'est pas forcément une mauvaise idée parce que il y a par exemple beaucoup qui viennent du Cameroun en ayant, surtout beaucoup qui font informatique, qui viennent du Cameroun en ayant déjà fait par exemple certaines certifications dans certains domaines. Donc, quand lui il arrive, il est bien différent de quelqu'un par exemple qui a directement eu le bac et vient étudier. Donc, il a cette expérience-là dans ce domaine à faire valoir. Et du coup, lui, il est plus apte même déjà dès le premier semestre à pouvoir chercher un work student dans le domaine. Donc, je pense que c'est le premier critère déterminant. Parce que même quelqu'un qui a fait, même si tu es au quatrième semestre et que tu n'as rien à faire valoir, ce sera un peu compliqué. Et c'est où je rejoins aussi celui qui a parlé tout à l'heure. Il y avait trois plans. Oh. Un instant. Ouais. Et c'est où, à ce niveau, au niveau des choses à faire, voilà, généralement, nous sommes cette génération, parce qu'avant la génération de nos grands frères, beaucoup venaient après avoir fait l'université au Cameroun, donc on peut dire peut-être parmi eux, il y avait certains qui pouvaient faire valoir certaines compétences. Non, Oscar, j'ai dit de parler pour ça que j'ai dit que... Bon, je reprends. Comme je disais, en fait, notre génération, beaucoup vient directement après le bac, ce qui fait que pour la majorité, je ne dirais pas que c'est une généralité, pour la majorité, déjà, en commençant les études, on n'a que les cours de langue. Donc, je conseillerais beaucoup de capitaliser vraiment sur le premier semestre pour pouvoir avoir de très bonnes notes, parce que quand tu n'as rien à faire valoir, tu n'as que cette expérience théorique-là à faire valoir. Parce que de très bonnes notes ne montrent pas juste que tu peux faire cette matière-là, ça montre aussi que tu es apte peut-être à apprendre certaines choses et de très bien les apprendre, je pense. Donc, déjà, la voix, et une fois que tu l'as, première des choses, c'est, si c'est une matière qui a généralement les tuteurs, ce sont des étudiants. Donc, directement se diriger vers le professeur et demander si ça va ou pas. Moi, par exemple, dans mon cas, le professeur de mécanique m'a dit, on ne peut pas encore te prendre parce que tu as encore d'autres matières à faire et en tant que tuteur, tu auras accès aux documents que tu n'auras pas, tu ne dois forcément pas avoir accès. Sinon, ce sera comme si on te donne les leçons du classroom, en fait. Mais dans le cadre de mathématiques, c'est bien à pétrine. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai vu travailler pour mathématiques déjà dès le troisième semestre. Et ça n'a pas été le cas pour mécanique. Et ce que Dylan a dit tout à l'heure aussi, c'est très important, pas qu'en film, mais aussi à l'université, pouvoir s'entendre, les soft skills, comme on dit, donc pouvoir s'entendre, pour être tout fait lécher, c'est... Disons quoi, je pense que ce sont des règles de bienséance, généralement en société, ce n'est pas quelque chose qui sont juste gultiche pour le boulot, mais même en société, par exemple, un gros défaut que nous, on a en Camerounais, c'est par exemple être en retard. Si quelqu'un vient et qu'il a un vécu ou un IV, et on sent que toi, tu n'es jamais allé, on te dit, par exemple, le tuto, il commence à 12h, tu arrives à 12h15, ou bien vous avez un tréfin à 13h, tu te pointes à 13h, même si c'est à 13h05, ce n'est pas bon, parce que déjà, quand on dit 13h, rassure-toi, 12h50, il y a peut-être 80% des personnes qui sont là, 12h55, tout le monde est déjà là, et on entre à 13h, on commence vraiment. Donc, il faut avoir cette compétence pratique-là, et aussi pouvoir se rendre passer au milieu où on est, parce qu'on est dans un milieu allemand où les gens sont très droits et qu'on se rend aussi droit. Nous ne sommes plus au Cameroun où on va faire certaines choses parce que c'est très mal vu et avec raison. Effectivement, d'où vient le point de la fiabilité et de l'intérêt particulier et la motivation. Donc, on va d'abord, on va prendre une question aussi entre-temps de Bertrand Dupas qui a levé la main tout à l'heure. On lui laisse la parole. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'écoutez. Oui. Déjà, désolé pour le retard, c'est vrai que je n'ai pas suivi le meeting parce que j'étais un peu occupé. Je vais déjà apprécier le brillant parcours des trois panélistes que j'ai reçus sur le flyer. C'est vraiment impressionnant de voir des personnes avec un trajet si brillant en Allemagne, vu la difficulté et tout. Et je voulais plus m'attarder sur l'aspect aussi des finances, comme tu as dit. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, en Europe qui arrivent et qui ont, par exemple, des charges au Cameroun. Parce que c'est vrai, il est bien bon, on va
on va peut-être parler de Ivy Verschulen, mais je voulais que vous essayiez de m'édifier, par exemple, quelqu'un qui arrive en Allemagne, qui a des charges financières au Cameroun, et étant donné que les IV ne sont pas bien payés, tout ça, et tout ça, comment est-ce que la personne va s'en sortir là? Comment est-ce que vous pouvez conseiller ce genre de personnes qui arrivent, il y a des études à faire et aussi des charges peut-être financières au Cameroun? Parce que, avoir votre parcours, j'aimerais aussi me demander, par exemple, si, par exemple, vous avez des trucs à envoyer peut-être au Cameroun par mon pays et tout ça. Donc, je voulais un peu que vous m'édifiez par rapport à ça, quoi, parce que il y a beaucoup de jeunes étudiants qui rencontrent cette situation et qui ne savent pas comment me guérir. Parfois, d'autres disent que bon, je vais faire le EV, il se retrouve avec peut-être 450 € le mois, il doit payer son mythe et tout ça, et il se retrouve encore obligé d'envoyer là où il est. Et il est stressé financièrement. Je peux faire que même le EV, là, il n'est plus concentré parce qu'il n'échappe pas, en fait. Comment est-ce que vous considérez ce genre de dans ce cas de situation? Merci bien. Merci Bertrand pour la question. Je crois que Franck voudrait intervenir dessus. Il a retiré la main. Ou alors il ne voudrait plus. Franck, je crois que tu voulais intervenir. Ou sinon, je vais laisser la parole à un des panélistes. Si quelqu'un, Raoul par exemple, s'il a quelque chose à dire par rapport à ce que Bertrand a posé comme problématique. Oui, avec plaisir. Bertrand, j'étais écouté religieusement d'ailleurs. Je pense, comme j'ai dit dès le départ, nos cas vraiment, chaque cas vraiment son cas, comme Dylan disait aussi. Mais pour ça aussi, je dirais, lorsqu'on reçoit notre visa, il est écrit dessus étudiant, en fait. Donc, c'est notre occupation. Normalement, ça devrait être notre quotidien, en fait, notre quotidien d'étudiant. Mais nous sommes aussi africains, nous sommes confrontés aussi à cette difficulté, d'autres communautés un peu moins, de subvenir parfois aux besoins de la famille, au pays et tout. Mais je pense, pour aider la famille, il faut soi-même aussi s'aider. Donc, vraiment, essayer de ne pas trop, sur le plan affectif, c'est peut-être difficile, mais essayer de prendre un peu de distance par rapport aux problèmes au pays. Comme je le dis aussi souvent, les problèmes au pays ne finiront jamais, quoi. Vu le contexte du pays, vu la situation du pays, la situation économique de notre pays, il y aura toujours ces problèmes-là. La solution pratique que je propose, c'est quoi? Il y a certains qui arrivent et prennent parfois un semestre à Fry, déjà dès le départ, et travaille juste ce semestre-là pour avoir déjà un peu assez d'argent. Et ça permet déjà, dès le début des études, de ne plus trop souffrir du fait d'envoyer de l'argent au pays ou de subvenir à certains besoins au pays. Parce que lorsqu'on commence les études et que tu as déjà un peu ce confort-là, même mentalement, quoi, tu peux mieux te concentrer et avoir de meilleurs résultats. Parce qu'il est prouvé aussi scientifiquement, lorsqu'on a ces problèmes financier là, ça impacte aussi le résultat à l'école, quoi. Donc, c'est ce que je proposerais. Maintenant, c'est à chacun de voir. Et si le problème n'est pas passé, il faut toujours catégoriser aussi les problèmes. Est-ce que c'est un problème urgent? Est-ce que c'est important? Si c'est ni urgent, ni important, à travers ça, tu peux savoir comment gérer. Tu peux avoir des problèmes où tu fais même, tu décides de résoudre ça à un certain moment où tu auras les possibilités. Et vraiment prendre la distance aussi par rapport aux problèmes du pays, quoi. C'est ce que j'apporterais un peu comme solution, quoi. Ah, OK. Donc, je crois que Franck va encore rapidement intervenir et on va continuer avec les questions pour les panélistes. Oui, pour répondre rapidement à Bertrand également, pour apporter aussi un point. Comme mon corps, Raoul l'a dit justement, il est important de savoir que comme tu vis en Allemagne, tu es d'abord étudiant. D'abord, tu es venu pour tes études, tu es venu pour te former. Et d'abord, dans un premier temps, il est important de bien préciser à ta famille que, OK, si mieux te laisse maintenant avancer à un certain niveau, et lorsque tu vas finir rapidement tes études et avoir une bonne formation, plus tard, tu pourras soutenir de façon plus conséquente. Donc, d'abord, dans un premier temps, il est important de discipliner sa famille, entre parenthèses, sur ce point-là, que le plus important maintenant sont les études. Maintenant, c'est clair qu'on a nos réalités. Je veux dire, si tes parents comptent sur toi, ils vont pas attendre 3 ans, 5 ans, 6 ans et attendre que tu finisses avant que tu puisses les aider. Raison pour laquelle, là, un premier temps, peut être utile de voir combien de temps tu t'arranges avec ta famille pour que tu donnes un délai. Ça, c'est juste une proposition. Hein. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, 2 semestres, 3 semestres. C'est-à-dire que tu as un délai où ils te laissent avoir tranquille. Et pendant ce temps, tu t'arranges justement à te constituer un profil. Comme l'été dit justement, tu commences ton premier semestre,
le Verschoden ou le IV, très souvent, ça commence à partir, bon, surtout le Verschoden à partir du troisième semestre, quand le chronique studium est fini. C'est-à-dire, tu donnes un délai, tu as donc 3 semaines, tu dis à ta famille, OK, s'il vous plaît, laissez-moi pour ce temps-là. Tu te concentres sur tes cours, tu donnes à fond, sachant que tu as un objectif justement de fidélité de ta famille, ce qui est tout à fait louable. Et après, justement, et tu te formes justement à la fin de cette présentation, j'ai eu les différentes plateformes pour te former, plus ou moins payantes, suivant le budget que tu as, les plateformes gratuites, peu chères et très chères. Tu te formes, tu te bâtis un profil solide. Et au troisième semestre, justement, maintenant, tu acquiers justement un bon poste en Verschoden ou à IV. J'ai juste fait un petit calcul rapidement. Là, j'avais dit, tu te trouves un bon poste dans une grosse entreprise en Verschoden, j'avais dit 17 euros par heure, tu travailles 80 heures par mois. Ça, c'est la régulation maximale. Tu as 1360 euros par mois. 1360. Sachant qu'en Allemagne, suivant la ville, tu peux vivre avec 700, 800 suivant tes dépenses. Tu as largement, on va dire, une marge pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Donc, le input que j'aimerais donner, c'est qu'il y a la possibilité de gagner beaucoup en tant qu'étudiant. Mais il est important d'abord, dans un premier temps, de te concentrer sur les études, surtout sur le gros studio. Et après, si tu as un bon profil, tu auras un job qui te donnera suffisamment de marge pour aider ta famille. Voilà ce que j'aurais dit. Merci, Franck, pour l'intervention. Je crois qu'Oscar va aussi dire quelque chose à propos. Ouais, j'aimerais réagir et la sens en disant ce que Bertrand a expliqué comme situation. Bon, malheureusement, c'est une situation qui arrive dans beaucoup de familles. Parce que dans beaucoup de familles, en fait, on va dire quoi? C'est un peu comme si c'était toute la famille qui a cotisé pour que tu puisses arriver. Tu vois? Donc, c'est déjà le père ou la mère ont même pris des prêts à la réunion pour que tu puisses arriver. Et surtout quand tu es le premier à venir, ils comptent par exemple sur toi pour que ton petit frère ou ta petite sœur qui est en seconde ou en terminale puisse aussi avoir une caution à déposer pour arriver en Allemagne. Et dans ce cas, je pense que c'est un peu difficile de dire, en fait, de leur faire comprendre que non, je vais d'abord finir les études parce que je me dis, ils ont fait un sacrifice pour toi. C'est à ton tour de te sacrifier aussi pour tes petits frères parce qu'ils auront aussi pu dire, je ne veux pas m'endetter à hauteur de millions juste pour envoyer l'enfant en Allemagne. Donc, il me dit, à un niveau, parfois, ce sont en fait, on est obligé de le soutenir, on se sent redevable et c'est vrai parce que sinon, en fait, ils ont décidé pour que notre avenir soit un peu plus brillant à nous de faire ça pour nos petits frères. Mais on ne peut pas avoir tout à la fois. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait vraiment faire le choix en étant conscient que si, par exemple, je suis en Allemagne et que je sais que dans 3 ou 4 ans, mon frère ou bien ma soeur va venir, ça veut dire à ce moment-là, je dois avoir, par exemple, une caution de minimum 6 000 euros avant qu'on va compléter. Il faudrait qu'il soit conscient que je ne peux pas avoir autant d'argent tout en suivant mes études. Donc, moi, je me dis, il faudrait déjà être conscient que ça veut dire que mes études vont se prolonger sur le temps et s'asseoir, essayer de faire un bon plan. Parce que ce n'est pas grave. Pour moi, je me dis, chacun a ses objectifs. Nous avons des objectifs différents. Chacun n'a pas besoin. En fait, ce serait idéal si chacun pouvait finir son bachelor en 3 ans et demi, 3 ans. Mais chacun n'a pas besoin. Selon les situations, il y a vraiment des gens qui s'asseyent en étant beaucoup, sachant que je vais finir mon bachelor en 5 ans et demi, 6 ans, et ils sont tout aussi satisfaits parce qu'ils savent qu'en ces 6 ans-là, il a quand même pu faire que ses deux petits frères arrivent en Allemagne. Et lorsqu'il va regarder, il va voir ses deux petits frères soit en Allemagne en train d'étudier comme lui. Je pense que pour lui, ça va même valoir plus que son diplôme qu'il aurait obtenu après 3 ans sans toutefois avoir eu à faire ça. Maintenant, passer ce volet-là, maintenant, ce qui me paraît, c'est juste au niveau des finances, allemandes. Pour ceux qui n'ont pas forcément ces problèmes, il y a aussi certains qui aiment beaucoup travailler juste parce qu'on a beaucoup d'argent. On aime avoir beaucoup d'argent et se faire plaisir. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas ces problèmes-là, on travaille pour pouvoir financer les études, mais on n'utilise pas notre statut d'étudiant pour pouvoir travailler. Donc, il faut faire cette nuance-là. Si je travaille, c'est parce que j'ai envie de financer mes études. Mais je ne suis pas étudiant parce que j'ai envie de travailler. La différence, c'est où? Quand je travaille pour financer mes études, ça veut dire lorsque j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir étudier, alors j'arrête, je me concentre. Par contre, si j'utilise uniquement mon statut étudiant pour pouvoir travailler, ça veut dire je pars, je m'immatricule, je travaille, je suis même un peu au courant des cours et puis j'essaie d'avoir le maximum d'argent possible. Un instant, s'il vous plaît.
Comme il disait, j'essaie d'avoir le maximum d'argent possible, mais c'est quelque chose qui ralentit ou ne, de manière ou ne parce que ça peut prolonger tes études de 2 ans, 3 ans. Or, 2 ans, 3 ans, c'est aussi 2 ans, 3 ans de salaire que si tu t'étais concentré sur tes études et à la fin, tu avais eu ce salaire-là à hauteur de 2 500 euros par mois, ça va valoir beaucoup plus que ce que tu auras en allant là, gardant le lag, en fait. C'est, en gros, c'était un peu ce que vous voulez dire par rapport à ça. Non, effectivement, il faut bien savoir faire les nuances. Est-ce que Oscar, tu as, par exemple, des expériences avec des bourses d'études et autres? Un instant, je vais ouvrir la porte, je reviens. Ouais, personnellement, j'ai eu une expérience avec 2 bourses d'études, avec le DAD Stipendium. Oui, je pense que le DAD Stipendium SLX for the Rome et avec le Deutschland Stipendium. Pendant presque tout mon parcours, j'ai eu à bénéficier de ce Unterstützung-là pendant plusieurs années. Je ne sais plus si c'était 3 ou 4 ans. Bref, pendant une bonne partie de mon parcours, j'ai eu à profiter de ça quand même. Et je dois quand même dire que c'était une très belle expérience. Ce qu'il demande, en fait, c'est juste qu'il faudrait que tu aies de bonnes notes déjà. Parce que, comme on a dit, c'est la première chose à avoir, de bonnes notes. Et après, je pense que vers Deutsche Stipendium, il faudrait une motivation schreiben. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se limite pas juste aux notes et ce que tu écris. Parce que dans le Deutsche Stipendium, plus précisément, après, il y a un Gespräch. Ou c'est vraiment comme un Forschungsgespräch, ça veut dire quand tu vas arriver, ils vont essayer de cerner ta personnalité, savoir qui est en face. Donc, te demander pourquoi, par exemple, tu as choisi telle filière, pourquoi, en fait, tu sors douche. Essayer de savoir qui tu es. Donc, ils essaient déjà de savoir la personne qui est à l'intérieur. Maintenant, les critères, quels critères ils utilisent pour décider, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que, OK, ta personnalité doit être comme ça. Tout ce qu'ils diraient, c'est faux. Juste essayer de montrer le meilleur de soi et naturellement, condition sine qua non, avoir les bonnes notes. Et après ça, il y a le côté personnel, ce qu'on fait à côté pour la société, en fait. Donc, comme si on te comprend bien, il faudrait utiliser le statut d'étudiant pour avoir assez de moyens pour financer ses études. Et maintenant, par ricochet, avoir de bonnes notes, ce qui va nous ouvrir des portes comme par exemple pour les stipendiums. Et ce serait alors la meilleure des choses. Là, on peut se concentrer sur l'école et avoir aussi des moyens à côté. Bon, est-ce qu'avec ton verre étudiant et le stipendium, par exemple, tu pouvais pallier à tous tes besoins et avoir aussi des plus pour justement, pour revenir sur la petite problématique rapidement de Bertrand, aussi avoir des aéries et d'autres trucs? Bien évidemment, en fait, cette période-là, vu que je ne suis pas seul en Allemagne, j'ai eu cet avantage-là que je suis arrivé. Il y a mon grand frère déjà qui, de base, dès le départ, il m'a quand même soutenu. Mais à un niveau, je pouvais être complètement indépendant financièrement. C'est vrai qu'après avoir fait les dépenses, si j'estime le coût de la vie en Allemagne et tout ça, je peux quand même dire, en plus de ça, je pourrais quand même avoir, mais ce n'est pas trop comme si c'est 1 000 euros de plus, on va dire. On va dire que c'est ça, ça devait peut-être être 200 à 300 euros que quelqu'un peut épargner par mois. Pour un étudiant, c'est déjà énorme, mais je ne pense pas que pour quelqu'un qui a vraiment de gros problèmes au Cameroun, que ça puisse suffire pour résoudre ses problèmes. Mais dans tous les cas, cette combinaison, c'est bien, mais je dirais toujours, c'est où au niveau des stipendes, on dit, c'est bien si on peut avoir, mais il ne faudrait pas qu'on se mente, il faudrait qu'on soit aussi conscient que ce n'est pas tout le monde qui peut, c'est surtout aussi les individuels pour les étudiants, il faudrait qu'on soit aussi conscient que ce n'est pas tout le monde. En fait, l'idéal, ce serait que tout le monde puisse l'avoir, mais il faudrait qu'on sache aussi que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de choses. Donc, il faudrait d'abord avoir de bonnes notes, mais on va dire quoi, Dieu nous a créés comme nous sommes, ce n'est pas tout le monde qui est apte à pouvoir l'avoir, chacun a ses compétences. Si je suis fort en mathématiques, l'autre n'est pas forcément fort en mathématiques, mais il a d'autres qualités que moi, je n'ai pas. Et c'est où, peut-être pour d'autres personnes, il faudrait qu'ils sachent que, OK, si par exemple, je n'ai pas forcément de bonnes notes, essayer de voir quelles sont les alternatives qui peuvent s'offrir à moi pour pouvoir mieux financer mes études, sans toutefois pouvoir compter sur des stipendiums et autres.
Bon, merci beaucoup pour ta contribution. Je crois que tu dois bientôt nous laisser. Donc, avant de terminer avec toi, je crois que beaucoup ici, ça pourrait inspirer beaucoup. Faire un petit résumé de ta personne, parce que je crois qu'aussi beaucoup comme moi ont eu à le lire un peu sur certaines pages et autres. Bon, rapidement, si possible, dire un peu à quel moment est-ce que tu décides de venir en Allemagne, comment est-ce que ça se passe en fait, avec quel mindset et comment. Ouais, je crois que la question aussi dans le chat, voilà. Voilà, juste de ta préparation jusqu'à la décision peut-être pour la ville et la filière, et peut-être à la fin, un dernier conseil que tu pourrais donner à tous les étudiants qui sont ici en ce qui concerne le financement ou bien les études en général avant de nous laisser. Bon, moi déjà, j'ai eu mon bac au Cameroun en 2013, je pense. Et à l'époque, j'avais 15 ans. Et après, j'ai directement fait les cours de langue. J'ai eu la chance, en fait. Hein. Et ceci, je dis, tout dépend du mindset parce que j'ai eu un petit problème au niveau du visa, ce qui fait que ça a un peu prolongé. Normalement, je devais arriver en Allemagne avec le B1, mais vu que ça a un peu plus mis du temps, j'ai décidé en fait de profiter du temps pour essayer de voir si c'est possible d'avoir les tests staff. Parce qu'avant, je ne savais même pas qu'on pouvait finir les cours de langue au Cameroun. Donc, j'ai juste essayé de profiter du temps, de ce temps-là pour avoir les tests staff et j'ai pu l'avoir. Ce qui fait que quand je suis venu ici, je suis arrivé en 2014, en septembre, j'ai directement commencé avec les études au winter semester 2014. Et j'ai quand même été très bien encadré parce que mon grand frère qui m'a accueilli cette époque-là m'avait déjà prodigué de bons conseils. Et le mindset aussi était important parce que je savais, moi, j'ai toujours fonctionné sous forme de défi, c'est déjà... J'essaie toujours, en fait, de me fixer un objectif lointain et je sais que dans telle année, je veux être sur telle place. Ça veut dire que, OK, je dois être où dans 6 mois, je dois être où dans 1 an, je dois être où dans 1 an et demi. Parce que pour moi, avoir un objectif lointain, sans toutefois savoir comment se tracer le chemin, ce n'est pas vraiment avoir un objectif, c'est juste rêver. Donc, pour moi, c'était déjà, OK, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que je dois faire au premier semestre? Qu'est-ce que je dois faire au deuxième semestre? C'est ce que j'exhorte aussi tous les étudiants à le faire. Parce que même peu importe la situation, que ce soit ceux qui ont des charges ou ceux qui n'ont pas des charges, c'est où j'ai dit, c'est important de savoir ce qu'on a comme charge, ça nous permet de facilement établir notre plan. Ça veut dire, quelqu'un qui sait par exemple que je dois plus travailler que d'autres et il sait qu'au premier semestre, je dois avoir 6 matières. Tu sais que tu dois plus travailler, donc tu n'as pas assez de temps pour le faire et que tu es conscient que tu n'as pas assez de temps pour le faire. Tu fais ton programme pour écrire tes 4 matières et tu soit tu te concentres sur ces 4 matières, tu es sur tout cas à la fin, tu as 7, 2 matières que tu n'as pas composées, mais les 4 que tu as fait très bien. Mais tu ne te limites pas à faire ton plan juste pour ce semestre, mais à faire ton plan pour tout ton cursus du bachelor, parce que ton but, c'est d'avoir le bachelor, ce n'est pas de chaque fois le premier semestre. Donc, chacun, selon sa situation économique, selon les charges au Cameroun, peut essayer d'établir un plan sur tout le cursus. Et chaque semestre, c'est un peu comme le processus de règle. Donc, j'ai un titre que je dois atteindre. Arriver à ce point-là, j'essaye de faire, après le premier semestre, on essaye de faire un bilan. On essaye de voir, OK, est-ce que celui qui a décidé d'écrire, par exemple, plus de matière, est-ce qu'il a touché à fond? S'il n'a pas touché à fond, il y a forcément une raison. On essaye de faire une introspection et voir ce qui n'a pas marché. Ça peut être que, bon, c'est juste chiffre que là, enfin, on comprend que, bon, c'est la vie, on essaye de prendre. Ou alors, ça peut être qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on peut optimiser, ne serait-ce qu'au niveau de notre personne ou bien au niveau de l'apprentissage. Et si on se rend compte de ça, qu'on l'optimise, en fait. Et qu'on l'optimise, ça veut dire que si déjà je n'ai pas touché à peine, mon programme que j'avais établi jusqu'au 8e ou 9e semestre, je dois le passer, le réactualiser, de telle sorte que j'ai introduit cette matière-là. C'est un processus dynamique où à chaque fin et début de semestre, on essaie de faire un bilan de ce qui s'est passé et de en passant les prochains objectifs qu'on a. Et avec ça, en fait, on essaie de voir, on ne suit pas juste les études, mais c'est nous qui décidons de ce qu'on va faire et de comment on va le faire. Il y a certains facteurs qu'on ne peut pas influencer, mais à partir de là, c'est quand même nous qui donnons le pas, c'est nous qui savons, nous savons où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et généralement, c'est ce que j'ai eu à faire jusqu'à mon master, en fait. Et ce qui est aussi important, je trouve, pour moi, ça m'a été d'une grosse aide parce que
Après, j'ai utilisé beaucoup ces compétences-là. C'est qu'il faut savoir que certes, on étudie pour avoir le diplôme, mais si à côté, on a un peu de temps pour essayer de se vital building, c'est toujours bien. Mais ça, ça vient vraiment pour les gens qui sont instables financièrement. Quand tu n'as pas de problème et tu as un peu de temps pour pouvoir faire autre chose, tu le fais. Moi, par exemple, quand j'avais un temps entre deux matières, si j'ai une matière qui passe à 8 heures et l'autre passe à 12 heures, entre les deux, je ne peux rien chafouiner, je ne peux rien chafouiner comme boulot. À part si, par exemple, j'ai mis un e-book de maths, par exemple. Mais dans le cas où c'est froid, j'essaie de regarder à l'université quel est le cours le plus intéressant pour moi qui peut m'aider, ne serait-ce que pas forcément même dans mes études, parce que ça peut être une matière, par exemple, du semestre avancé que je peux ramener ça là et le faire, tout comme ça peut être quelque chose que je peux utiliser plus tard comme tout ça lifestone. Par exemple, ça peut être un cours de programmation dans un langage que je ne connais pas, mais qui est intéressant dans mon domaine. Je le fais et ça m'apporte zéro crédit point, mais c'est quelque chose que je peux faire valoir plus tard. Parce que même pour les heavy jobs, on utilise le programme que parfois on n'a pas pendant les études, mais on se retrouve en train d'utiliser le lifestone. Doit essayer de regarder ce volet-là, qu'on peut faire d'autres choses à côté qui ne nous apportent pas forcément des crédits pour eux, mais ça nous permet d'apprendre des programmes qu'on peut utiliser plus tard dans le cadre du boulot, bien même dans le cadre des BVEB ou pour les VEC students, on peut faire valoir ces expériences-là. Donc, en gros, fixer ses objectifs, essayer d'aller passer son programme et comme elle dit, pour ceux qui doivent beaucoup travailler, essayer de réduire les matières, qu'elles soient qu'on a un programme fest. Et pour ceux qui doivent un peu moins travailler, on peut toujours tirer les matières du haut vers le bas. Déjà, matière du troisième semestre, s'il y a une matière qui n'a pas besoin de faire aux études, je pose sur l'affaire et en fonction de ça, on essaie d'anpasser tout son système. Et à la fin, hopefully, avec un peu de chance, et comme une machine espace. D'accord, merci beaucoup pour ces tips, pour tous les petits conseils. Je crois que ça va beaucoup aider, ça va aider beaucoup. Moi aussi, j'ai pu apprendre certains petits trucs-là. Je vais pas tarder, dès lundi, je commence. Donc, merci encore, c'était vraiment un échange très intéressant. Si, je rappelle par exemple que les questions, on pourrait les noter et les poser à la fin, mais je crois qu'Oscar déjà... Si je ne me trompe pas, va nous laisser d'ici quelques secondes. Ouais. OK, donc voilà. Merci, c'était vraiment un échange très intéressant, très enrichissant pour moi, pour nous tous. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion de t'avoir dans un de nos webinaires à venir, parce qu'on compte en organiser bien d'autres sur allant toujours dans cette direction, dans cette richetoune. Et on peut encore bénéficier. Je crois qu'il y a tellement à partager qu'on ne peut pas tout partager ici d'un coup. Donc, je crois qu'en fonction des domaines, en fonction des problématiques, on pourra encore en discuter, en échanger et compter sur la présence de tous ceux qui seront intéressés. Quoi. OK, avec plaisir, avec plaisir. Tiens, merci. Donc, je crois que de notre part, de ma part, on va te souhaiter bonne soirée si je ne me trompe pas ou alors... Pour rester ou peut-être nous rejoindre encore plus tard. Ce sera à toi de voir. OK, merci et bonne soirée à vous. Bye bye. Ouais. Donc, merci. Bon, on revient donc avec nos deux panélistes, Raoul et Dylan. Bon, je crois que Oscar a partagé son expérience avec les stipendiaires, par exemple. Là, on va aussi essayer d'avoir l'expérience de Raoul. En ce qui concerne les stipendes, comment est-ce que, quand est-ce que, ou alors, si, je ne sais pas, quand est-ce que tu as eu ta première bourse, comment est-ce que ça s'est passé et tout. Oui, Dimitri, je pense avec le stipendium. J'ai eu le premier stipendium, je pense, en 2017, si j'ai bonne mémoire. Oui, comme Oscar l'a si bien dit, ça dépend vraiment des critères. Je pense Franck a aussi parlé de ça, quoi. Donc, suivant les stipendiums, il y a des critères précis. Et généralement, ces critères qui ont été énumérés par Franck, parfois, ce n'est pas des critères uniques pour les stipendiums. Parfois, c'est dosé à différents pourcentages pour l'obtention d'un stipendium, quoi. Il y a des stipendiums où peut-être les notes peuvent compter à 70%, l'engagement social à 20%, et peut-être quelque chose d'autre, 5%. Bon, ça suit vraiment ce chemin-là. Et pour l'obtention de ma bourse, c'est un camarade à l'université quoi, qui nous avait passé l'information et nous avait montré comment ça se passe et tout. Et puis,
on a postulé. Et j'ai dû postuler à ce stipendium-là. C'était le Landes Stipendium à deux reprises. Donc, il y a eu ça à 2 ans. Puisque lorsque tu as ça, c'est sur 1 an. Et puis après, ils peuvent te redonner ça, quoi. Donc, il y a une panoplie de stipendiums. Je conseillerais ceux qui sont ici de se rapprocher de l'ASTA aussi pour avoir ces informations, de l'International Office également, pour avoir ces informations-là. Le Deutschland Stipendium, apparemment, c'est vraiment Deutschlandweit. Et c'est aussi un très bon stipendium. J'avais postulé une fois ce stipendium-là, mais je n'ai pas eu le Deutschland Stipendium. Là, il faut aussi de très bonnes notes parce que là-bas, c'est vraiment... Là, ils sont orientés beaucoup et ils regardent aussi le côté social. Donc, oui, ce n'est pas à négliger du tout. Pas du tout, quoi. Parce que c'est un agent qui n'est pas content d'avoir l'argent gratuitement. Dans ce... Tu restes à la maison et puis tu prends ton compte. Chaque mois, on t'envoie 300 euros, 400 euros. La vie est belle. La vie est belle. Donc, je ne sais pas si Dylan, lui, il a aussi une expérience à ce sujet, à ce propos sur les bourses. Je ne sais pas s'il est encore là. OK. Bon, concernant les bourses à l'université, moi, ma première expérience avec ça, c'était, je pense, en 2016 ou 2017. Il y avait à l'époque le Landes Stipendium, le Carolo Stipendium et le Deutschland Stipendium aussi. Donc, mais le Deutschland Stipendium, je ne l'ai pas eu à l'époque. Et j'aimerais conseiller vraiment à beaucoup. Bon, ici, au ressort un peu des discussions, j'ai eu un peu à tirer la conclusion. On a trop accentué sur les notes, quoi. Moi, j'aimerais plus accentuer aussi sur les soft skills. Parce que les notes, c'est important. Il y a certains stipendiums, par exemple, le Landes Stipendium, ce n'est pas forcément license oriented. Il y a beaucoup de stipendiums à l'université qui ne sont pas forcément license oriented. Et généralement, quand on parle de stipendium à des Camerounais, beaucoup se découragent parce qu'ils pensent directement que c'est license oriented. Donc, il faut s'informer sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de bourses qui peuvent vraiment aider, comme les bourses aussi des partis politiques. C'est vraiment l'éthique. J'ai vraiment appris ça tard, mais c'est vraiment très, 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 ouais, c'est vraiment très, très lucratif. Donc, c'est un peu ça mes expériences avec les stipendiums. Et au niveau du master aussi, il y avait le Carolo Stipendium. Je ne me rappelle même plus trop. Hein. Mais c'est un peu ça, quoi. En bref. Ouais. Donc, effectivement, c'est toujours bien de postuler, même si parfois on a l'impression qu'on ne pourrait pas l'obtenir. C'est important, d'où le fait qu'on ait parlé aussi des plateformes où on peut se vital building. Et comme Oscar disait, qu'on ait un peu de temps, c'est même pour nous, en tant que personne, c'est toujours une très bonne chose. Et plus tard, même sur le marché, ça pourrait être vraiment une plus-value. Les questions, on va revenir. Bon, je ne sais pas si Raoul encore peut nous parler un peu de son parcours rapidement aussi, en allant des cours de langue, un peu comme Oscar l'a fait, en allant des cours de langue jusqu'ici. Oui, je pense que mon parcours, je vais dire, il y a beaucoup de Camerounais qui ont des parcours très brillants aussi. Donc, ne croyez pas peut-être que nous, je n'ai pas la science infuse, je ne pense pas détenir le secret des dieux. Donc, mon parcours, c'est un parcours très normal. J'ai commencé avec les cours de langue, avec Delphine. Je m'en souviens très bien, c'était une très bonne époque. On a fait avec Thiago également au centre des Ichestevec, c'était à Yaoundé. C'est une très bonne époque aussi. Après, arrivé en Allemagne, je pense que j'étais arrivé avec le B1 aussi. J'ai continué avec le B2. J'ai aussi bien fait mes cours de langue. Bon, j'avais loupé le TESTAF, un module, parce qu'il fallait 4 modules, avec le 4, quoi. Et j'ai fait le DSA, j'ai eu un très bon DSA aussi, le DSA 3. Après, ça m'a aussi beaucoup aidé par la suite. J'ai commencé à l'université comme tout jeune, mais j'étais aussi très engagé, quoi, même inconsciemment, parce que je n'étais pas je faisais les trucs pour avoir l'intérêt. Donc, je faisais juste les trucs naïvement. Mon instinct me faisait faire des choses là. C'est ainsi que j'ai été très actif dans un projet à l'université.
Déjà au deuxième semestre, j'ai été tuteur de mathématiques. J'ai continué jusqu'à mathématiques 3. J'ai aussi été tuteur avec le Grundlage de l'électrotechnique. Ce qui m'a permis plus tard d'avoir un practicum. À IAFORS, aussi une très bonne entreprise où j'ai eu ce premier contact avec l'entreprise. Et j'ai commencé à postuler pour l'évêque Chouden. Ce n'était pas facile, puisque quand tu postules, généralement, beaucoup de personnes postulent et on veut une place. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer qu'on est le bon choix. Donc, avec l'aide d'un professeur à l'université, qui m'a permis de bien faire mon brevet bon et tout, j'ai réussi à avoir un Forschungsgespräch, j'ai eu un Werkstudent. C'était un peu dans le domaine du management. Et puis, bien après, j'ai continué à Siemens, vraiment très pratique aussi. Et depuis lors, j'ai fait des Werkstudent, quoi. Et je conseillerais vraiment aux gens de se tourner vers les Werkstudent parce que ça permet quand même de fournir le CV. J'ai eu aussi l'expérience de voir certains qui ont fini le cursus universitaire sans avoir d'expérience pratique, ce qui n'est pas souhaitable, quoi, parce qu'après, ça rend un peu les choses compliquées. Donc, l'idéal serait vraiment d'avoir ce Werkstudent-là. Et puis, voilà quoi. Je pense ça, c'est mon parcours. À côté aussi, j'ai été très engagé socialement. Donc, j'ai pu, en 2019, j'ai été élu comme président de l'Association des Camerounais de ma ville. C'était une expérience aussi sociale qui m'a permis de comprendre en quoi en profondeur la mentalité camerounaise, d'essayer d'implémenter les choses pour la communauté, de travailler avec beaucoup d'autres associations. Et voilà quoi. Mmh. Aujourd'hui, je continue ma petite vie. Donc, je continue en tant que Werkstudent aussi à Volkswagen. Et j'essaie de finir. Bon, de me spécialiser là aussi en intelligence artificielle. Mais ma filleule n'offre pas vraiment ça, quoi. Donc, je continue dans les techniques de télécommunication en essayant d'avoir une place en intelligence artificielle. Mais là, il faut maîtriser l'anglais. Donc, la même chose qui était pour le DSA, l'allemand. Il faut aussi avoir, la plupart des universités exigent un bon niveau d'anglais aussi. Il faut avoir les documents qui prouvent ça. Voilà quoi. Bon, merci beaucoup pour ta contribution. Je crois que Dylan nous a écrit là. Je ne sais pas si, avant de partir, il peut donner un dernier petit conseil. En général, ce qui concerne justement l'étude et nous ici. Encore merci. Donc, tout d'abord, avant de dire mon mot de fin, je tiens d'abord à remercier l'ADI et tout principalement aussi son président, Franck Bouga. C'est lui qui m'a encore donné la motivation finale pour intégrer le groupe. Bien que Delphine aussi, mais déjà... Non, laissons. Donc, encore grand merci pour l'invitation aujourd'hui. J'espère que beaucoup ont pu tirer une ou quelques astuces de mon parcours. Et le conseil que j'aimerais dire, que j'aimerais donner, c'est vraiment pour beaucoup de personnes, il y a aussi le point de Werkstudent là. Donc, c'est pas forcément les notes. Comme je dirais toujours, ce n'est pas forcément les nôtres. Il faut aussi avoir des fois l'audace. Parce qu'il y a des fois, on va voir une annonce là sur Internet, beaucoup vont passer là-dessus, même sans postuler, soit disant que non, les nôtres sont un peu... Non, il faut des fois aussi avoir l'audace là et travailler aussi beaucoup les soft skills. Parce qu'en entreprise, généralement, c'est que quand on prend un étudiant du troisième ou quatrième semestre, généralement, faculté, voilà, il ne connaît encore rien. Même s'il est bon en maths, bon en physique, mais si c'est question du travail, il ne connaît pas. Donc, quand on va le prendre, il aura au moins 6 mois pour s'adapter, pour comprendre ce qu'il doit faire. Et généralement, c'est la même chose sur tous les étudiants. Donc, généralement, ce que je conseillerais à mes frères, mes soeurs, c'est d'avoir l'audace, se bever, travailler ses soft skills. Et là, c'est bien parti, quoi. Donc, grand merci pour l'invitation. Je vais vous laisser. J'espère que la discussion va bien continuer. Je vous laisse entre des belles mains. Donc, je ne fais pas de soucis. Là, avant que tu ne partes, je tenais aussi à dire merci. Merci d'être là. Donc, juste brièvement. Donc, moi, c'est Franck Mbouga. Et
ça fait vraiment plaisir l'échange et tout quoi. C'est vrai que l'idéal serait que on soit ensemble jusqu'à la fin, mais je pense que comme Jimmy a aussi dit, il y aura d'autres événements et tout, et ensemble je pense que on va continuer à faire le travail qu'on a fait, non? Le travail qu'on a fait, juste pour certaines personnes qui se disent peut-être que c'est une perte de temps, ou bien que c'est peut-être pénible, ou bien ils se demandent peut-être comment et pourquoi est-ce que ce temps investi n'est pas capital. La seule chose qu'on a à leur dire, c'est juste que le développement du Cameroun pour lequel on travaille tous, parce que dans 100 ans, on va pratiquement tous mourir, cette génération-ci, et ça sera toute une nouvelle génération. Donc, ça veut dire que si on ne cherche pas à faire quelque chose pour notre patrie, c'est une erreur. Et on a juste à leur dire que c'est une implication sociale, business, humain et peut-être politique. Et actuellement, là, on est dans un cadre social, donc académique, quoi. Donc, ce qui fait que merci encore. Et oh, c'est moi qui remercie. Ah. Merci. Encore bonne soirée à tous. Bye bye. D'accord. Donc, maintenant, je vais passer aux questions. Aussi, je crois que Raoul est là. Avant toute chose, je crois qu'aussi, on a mentionné le fait de mettre aussi un point d'honneur sur la construction du PIB de Bronislaw, qui est aussi très important, et notamment, comme Dylan l'a mentionné, les soft skills qui peuvent aussi apparaître sur les CV. Je crois qu'à ce sujet, il y a boosté sa recherche d'emploi qui est là. Il peut donner son point de vue sur les CV ou alors sur les Vers Children ou la recherche de PV ou autre en général. Oui, bonsoir et merci de m'avoir passé la parole. Je vais profiter déjà pour remercier Franck Fonguin pour sa présentation. Et c'est plus que les bases, comme tu l'as mentionné, parce que je constate beaucoup viennent ou bien se retrouvent à la fin, ils n'ont même pas ces basiques-là. Donc moi, je considère déjà ça comme plus que les bases, surtout si ce sont les étudiants qui bénéficient déjà de ça en amont. En fait, moi, c'est Carlos Fauting. Je suis ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables et par ailleurs, le promoteur du groupe Booster sa recherche d'emploi. Donc, pour la suite de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, comment il faut faire, à quel moment commencer à chercher, que ce soit avec soudain une thèse ou bien le travail, c'est bien de s'y prendre en amont. Mais pour la suite, je dirais juste qu'il est important de savoir mettre tout ce qu'on a eu à avoir comme connaissance, comme compétence, que ce soit hard skill ou soft skill. Il est important de pouvoir mettre cela dans un bon emballage pour être plus attractif aux yeux des recruteurs. Et le bonus, c'est aussi de savoir se vendre, parce que j'en ai reçu beaucoup ici. Je vais rester avec ma casquette de coach en recherche d'emploi, si je peux me permettre, qui avait presque toutes ces compétences-là, mais qui ne pouvait pas vous aligner deux ou trois phrases. Comment est-ce que elles peuvent mettre de la lumière sur ces compétences pour pouvoir séduire le recruteur. Ce bonus-là, en fait, et c'est un peu déplorable pour nous. Pour nous, je vais mettre entre guillemets, nous les Africains, nous les Camerounais, je suppose pour la plupart ici. On se dit que le plus difficile, en fait, c'est de pouvoir finaliser ce diplôme-là. Pourtant, il y a d'autres compétences, comme on parlait, ces soft skills-là, ces compétences humaines-là, dont on peut travailler, en fait, pour pouvoir bonifier encore ses dossiers de candidature, en fait. Donc, ce que je dirais, en fait, c'est pour dire, je pense que Franck l'a dit tout à l'heure, il faut avoir un projet professionnel. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux atteindre à la fin, même pour tes semestres, les matières que tu choisis, tu ne sauras pas. Il y a des personnes qui ont des profils, ils veulent juste le diplôme
pour continuer son chemin. Il y a ceux qui veulent être des académiciens, ils veulent être des experts dans leur domaine. Donc, dès la base, il faut savoir ce qu'on veut. On est ici tous. On peut avoir trois profils de carrière, des CV différents. Ça veut dire une personne avec trois CV différents. Quand on va regarder toutes ses compétences, on va regarder tout ce qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de mettre tout cela dans un CV et demander au recruteur de faire le tri. La moyenne pour un CV, c'est 47 secondes, une minute maximum. Et quand c'est plus intéressant, on regarde ta lettre de motivation. Beaucoup font un bon CV, mais échouent sur la lettre de motivation parce qu'ils prennent la lettre de motivation comme une copie détaillée du CV. Pourtant, le recruteur attend de voir de nouvelles informations. Et là, ils échouent également. Donc, ça veut dire qu'on a une histoire qu'on raconte à toutes les entreprises. On change juste le titre et parfois, on oublie même la date. J'ai des gens jusqu'à aujourd'hui en juin, quand je dis « envoie-moi ta dernière demande que tu as », je vois le CV signé février. C'est une erreur. Beaucoup ne savent pas ça. C'est un critère. Et il faut que nous, on comprenne que de nos jours, ce n'est pas la personne physique, ce n'est pas le recruteur physique qui regarde nos documents de candidature en premier. Il y a cette intelligence artificielle, quelqu'un a mentionné tout à l'heure, il y a les ATS, les Applicant Tracking System. Ce sont eux qui analysent les CV en premier. Voilà pourquoi un dimanche comme aujourd'hui, certains qui avaient envoyé des demandes seront surpris d'avoir reçu des refus aujourd'hui. Ce n'est pas que quelqu'un travaille, c'est l'algorithme qui a défini en fonction du pourcentage des mots-clés et vous a envoyé un refus automatique peut-être 10 jours après et ce 10e jour est tombé le dimanche. Donc, il faut qu'on pense à cela. Je prends juste un petit exemple pour expliquer. Vous verrez dans les descriptions d'emploi où on va dire « Vous devez avoir des connaissances en Microsoft Office. » On va préciser « Ils ont besoin d'Excel. » Ce « Ils ont besoin d'Excel » est parlant parce que le recruteur va définir une cote pour ce Excel. Et si tu viens dans ton CV, tu mets juste Microsoft Office, rassure-toi, l'algorithme ou bien le robot, il ne saura pas que dans Microsoft Office, il y a Excel, Word, PowerPoint, etc. Il va chercher juste le Excel et attribuer la cote qu'on a donnée à Excel. Donc, à la fin, tu te retrouves avec moins de points et tu reçois un refus automatique. Donc, ça, c'est un volet. Et beaucoup font des demandes sans toutefois comprendre la description d'emploi. C'est très important. Je ne fais jamais sans ça. Il y a deux volets. Le premier, ce sont des compétences, ce que tu dois avoir. Et il y a un deuxième point qui parle des tâches que tu vas réaliser. Ça également, c'est important. Mais avant de te bevaber, il faut savoir, est-ce que j'ai les 60% des compétences requises. Si oui, je me lance. C'est comme ça. Et il faut mettre la lumière sur les mots-clés. Qu'est-ce que l'entreprise recherche? Ça, c'est un autre point. Franck a mentionné le e-réputation, le web-réputation. C'est très capital. Beaucoup se concentrent sur les steps, sur les indices et tout, qui représentent 20%, 30% en maximum. Et le reste des 70% se cache dans le marché noir, dans le réseautage, comme tu l'as dit. Voilà pourquoi il est très important pour un étudiant de peaufiner déjà son profil LinkedIn, qui est le réseau professionnel par excellence, et Xing, encore plus pour le niveau allemand. Ça, c'est incontournable. Il faudrait aussi que vous restiez chez vous un dimanche, qu'un headhunter, comme tu as mentionné, un chasseur de tête, ou bien une entreprise en sous-marinage qui... Il est en train de guetter les profils, qui vient t'écrire aussi qu'il a vu ton profil en ligne et qu'il est intéressé à échanger avec toi. Ne sois pas toujours celui-là qui va aller envoyer des tonnes de demandes pour recevoir des tonnes de refus et être découragé. Franck a mentionné également, je dirais, l'initiative Beverbe. C'est très important, mais sauf que là-bas, la lettre de motivation est un peu différente. Il faut un peu comprendre ce que l'entreprise fait pour pouvoir apporter des solutions, parce que tout ce qu'on dit, c'est les solutions. L'entreprise a des problèmes et vous avez des solutions. Vous vous mettez sur une table pour discuter. Est-ce que ça passe? Si ça ne passe pas, vous, en tant qu'étudiant ou bien chercheur d'emploi, vous pouvez aussi décliner si l'environnement du travail ne vous plaît pas, si
les conditions que le recruteur vous a proposées ne passent pas, vous déclinez. Il n'y a pas que le recruteur qui décline. Et ça, c'est un problème avec nous. On se dit, allons répondre aux questions, aux interviews. Non, c'est un échange. Vous proposez des choses. Donc, je ne vais pas être trop long, vu que je passe au quotidien déjà sur mes plateformes où je prodigue plusieurs conseils allant dans ce sens. Que faire pendant l'interview, après l'interview d'embauche, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut avoir avec soi pendant l'interview. Donc, je parle déjà de beaucoup de ces points-là, plusieurs de ces points-là, je mentionne, j'ai des vidéos également sur ma plateforme YouTube. Et je ne vais pas maintenir la parole pour assez longtemps, Dimitri. Je vous remercie également parce que avec ce genre de plateforme, avec ce que ADI fait, je pense que j'aurai moins de problèmes. Quand quelqu'un viendra chez moi, il sera déjà quand même rodé, quoi. Donc, il va venir juste pour que je mette des petits points pour qu'il valide. Et plus on sera nombreux dans ces grandes entreprises-là, mieux on aura le pouvoir. Je vais aussi rester comme ça. Dimitri va me dire, il y a un poste qui est vacant chez nous. Et on regarde rapidement le profil et on donne un Camerounais. Et c'est comme ça qu'on sera fort. Il n'y a pas que les Turcs ou bien les Russes qui sont forts. C'est comme ça qu'ils ont fait. Mais sauf que la différence avec nous, c'est que nous on excelle plus sur le côté intellectuel. Donc, nous, on va les battre à tous les coups. Mais pour cela, il faudrait que les jeunes étudiants, que ce soit avec students ou bien en chercheur d'emploi, qu'on puisse avoir des postes de responsabilité dans plusieurs entreprises. Donc, c'était ma petite contribution et merci également. Avant que tu ne partes, j'ai une question là. Oui, vas-y. Ouais, est-ce que tu coaches aussi dans l'initiative Bevebon? Oui, je fais dans tout ce qui est recherche d'emploi en général. Donc, comme j'avais dit du début, même il y a des personnes qui ont des difficultés à trouver l'emploi dans leur domaine. Donc, il dit qu'il cherche, il ne trouve pas simplement parce qu'il ne sait pas chercher. Ça arrive. Il y a ceux qui ont des facilités, peut-être ils sont déjà invités, mais qui ne rassurent pas. En fait, il dit juste ce qu'il faut. Et quand l'autre candidat vient, il le bat sur les termes de rassurer. Parce que le recruteur a besoin que tu rassures. Le recruteur, quand il met un poste à Hambourg et tu viens à Berlin, et que tu veux démontrer au recruteur qu'en un mois, tu vas trouver la maison, pourtant, il y a des gens qui attendent. Donc, il n'a pas besoin de ça. Il veut savoir, est-ce que tu t'es renseigné? Tu dois rassurer le recruteur. Avant d'envoyer ma demande à Hambourg, j'ai ma connaissance qui est là, qui vit même déjà et qui m'a dit, je suis la bienvenue, j'ai même déjà une maison, par exemple. Ou bien tu es déjà allé en amont regarder l'AVEC Student à Hambourg, tu as une adresse. Donc, quand tu donnes directement, il comprend que non, tu n'as pas de problème de maison, par exemple. Donc, il peut te considérer, entre guillemets, comme quelqu'un qui vit à Hambourg. Mais si tu veux lui faire comprendre que par une magie, tu vas quitter Berlin et dans les 3 semaines qui suivent, trouver un logement, il sait que ce n'est pas logique. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça, tu dois dire ça dans ton Anschreiben ou bien c'est... Non, ça, c'est déjà pendant l'interview. Ça, c'est déjà pendant l'interview qu'on rassure. Donc, merci vraiment pour les interventions. Je crois que le sujet sur les Bevebon, CV, c'est assez vaste. On aura l'occasion d'inviter encore spécialement Carlos pour qu'il nous parle un peu, pour qu'il nous partage un peu plus ses expériences. Et il y a ces séances de coaching, là aussi, il y a le groupe WhatsApp, pour ceux qui ont demandé le groupe WhatsApp. Je crois que Carlos pourra peut-être envoyer le lien en privé ou alors, je ne sais pas comment, à ceux qui sont intéressés. C'est justement le combat aussi de ADI. On est du côté social. On voudrait tous être assez bien formés. On voudrait tous améliorer notre façon de voir certains choses, améliorer notre façon de nous intégrer dans le système. Et c'est à travers ce genre de trucs, comme par exemple le webinaire d'aujourd'hui sur comment trouver les verts soudaines, qu'est-ce que c'est en fait, comment est-ce qu'on obtient les bourses. Et ce sont toutes ces occasions-là qui sont justement offertes comme ça par le système ADI. Donc, je veux dire, je crois que Franck Bouga, le président d'ADI, a envoyé le lien tout à l'heure pour rejoindre la communauté, pour rejoindre le groupe WhatsApp. C'est vraiment à l'avantage de tout le monde. Comme Carlos disait, d'une certaine façon, le système ADI se charge de poser aussi certaines bases, comme je disais aujourd'hui, c'était même plus que les bases.
Et lui, dans son travail personnel aussi, il renforce ces bases-là, comme vous l'avez vu là, accentué sur le CV. C'est bien beau de vouloir chercher le verre soudain, c'est bien beau d'avoir les compétences, mais il faudra encore pouvoir les présenter et justement pouvoir se vendre. Donc, merci encore vraiment, Carlos, pour ton intervention. C'était très édifiant. Je crois que tu as ajouté beaucoup de points là. Il fallait seulement qu'on pose sur ce PowerPoint une fois et puis tu présentais. Mais bon, c'est pas pour une prochaine fois pour les intéressés. On va encore faire beaucoup dans cette direction. C'est justement ça le rôle de ADI académique. On aura, vous pouvez déjà vous spoiler un peu, on aura des webinaires sur comment se préparer ou alors comment bien gérer sa phase de classe, sa phase de compo, comment bien se préparer, comment gérer avec le travail. Il y aura plein de webinaires comme ça. Donc, je vous invite déjà à rejoindre la communauté ADI aussi pour être toujours informé, être toujours à l'heure et tout. Donc, je crois que c'était un peu ça. Je crois qu'il y a Franck Foguin qui va aussi rapidement intervenir. Donc, je rappelle qu'on ne va pas s'éterniser. On va bientôt fermer le marché, disons ça comme ça. Donc, pour ceux qui veulent encore vendre ou alors qui veulent encore, qui ont des questions, je crois qu'il y a une question de Tekel qui a été posée tout à l'heure sur un conseil sur promouvoir. Bon, je ne sais pas. Non, bon, vu que les panels ne sont plus là. Je crois que c'est une question qu'on va noter. Ça peut être un très bon thème qu'on va utiliser justement dans les prochains webinaires. Donc, Tekel, on garde la question au chaud, on la conserve bien emballée et on va déballer ça lors d'un webinaire avec plein d'intervenants assez intéressants, comme Oscar qui était là tout à l'heure. Je crois que peut-être il pourra encore intervenir et justement à ce sujet en tant que docteur, ingénieur et tout. Ce sera très intéressant aussi de l'écouter. Franck, tu as levé la main tout à l'heure. Donc, si tu vas intervenir. Oui. Bon, je précise encore aux autres intervenants, bon, aux personnes présentes que maintenant ils peuvent poser la question. Et par contre, je voulais rapidement répondre à Raoul. D'abord, merci pour ta présence. Puis, il a ému le problème qu'il voulait se spécialiser en intelligence artificielle. Et que, par exemple, il cherchait justement à prendre un nouveau diplôme en anglais, à suivre un nouveau cursus en anglais, par exemple. Et justement, pour lui donner comme tips, et aussi pour reprendre sur ce qui a été présenté à la fin, comme les plateformes, c'est que, justement, Raoul, tu continues en master, tu as une formation électrotechnique, et tu veux développer ton profil en intelligence artificielle. Et justement, soit tu as la possibilité, justement, de trouver un autre master en anglais, comme tu le disais, ou tout comme tu peux regarder sur les plateformes, tu veux dire, si c'est, par exemple, les cours en intelligence artificielle que tu cherches, et là, c'est pour encourager, justement, les panélistes, vous montrer, justement, un cas pratique, et que... On les encourage vraiment à être proactifs, à prendre ces derniers liens-là et à faire leurs propres recherches. Tu peux aller, par exemple, sur les cours CERA ou tu as des cours d'autres universités dans l'intelligence artificielle, ce qui t'évite de faire un nouveau master. Ou encore, tu as des plateformes privées designées qui te donnent des formations parfois up-to-date sur le marché, comme Udacity, ainsi de suite. Juste, j'ai voulu réagir dessus pour un peu avoir un exemple, par exemple, comment utiliser les plateformes qu'on a données à la fin. Parce que l'essentiel à la fin de ce meeting, c'est que vous avez les clés pour pouvoir vous lancer vous-même, pour pouvoir faire vos propres recherches et être proactif. Et bien sûr, il y a d'autres personnes comme dans la communauté qui peuvent vous encadrer comme booster sa recherche d'emploi. Et ainsi, là, vous allez décrocher ce que vous cherchez réellement, c'est-à-dire que ce soit un verge student, un IV, ainsi de suite. Super, Franck. Merci Franck pour justement l'intervention. Il y a Klaus qui a levé la main depuis. On va lui donner la parole. Bonsoir. On a dit tout à l'heure, j'ai vu le thème du meeting, c'était comment financer ses études en Allemagne. Et vous avez parlé des Werkstudent et des HIWI. Je pose la question, je ne sais pas, je suis venu un peu en retard, mais personne n'a parlé du cas des Dual Studium en fait. Pour vous, ce n'est pas une option pour que quelqu'un finance ses études ou bien. Pour vous, c'est peut-être déjà impossible que quelqu'un fasse un dual studium, mais dans nous voir en Allemagne, bien maintenant, tout droit du Cameroun. Parce que moi, je trouve que c'est aussi une très bonne. Personnellement, je n'ai pas eu d'expérience. Je connais déjà dans mon entourage cette expérience-là, mais moi, personnellement, j'ai pas eu la chance d'avoir cette expérience. Mais je trouve que c'est un truc qui est super, super bien. Parce que quand quelqu'un fait un truc dans un dual studium, il a tellement d'avantages par rapport à quelqu'un qui a juste fait. Un cursus normal sans peut-être faire un fake student ou un truc en fait.
Donc, je ne sais pas vraiment si pour vous, vous ne voyez pas ça comme moyen de financement des études, en fait. Très bon point. Je crois que la Franck veut intervenir à ce sujet. Après, je crois que Raoul pourra aussi nous dire ce qu'il en pense. Déjà, merci Klaus pour la remarque. Et tu as tout à fait raison. C'est un autre moyen de financement, justement, le Dual Studio. Et c'est vrai que c'est un point qu'on pourra, pour un prochain séminaire sur le même thème, on pourra prolonger, ajouter également. Mais principalement pour le Dual Studio, d'une part, ce que je peux déjà dire de ma petite connaissance, c'est que les critères sont plus ou moins les mêmes avec les HUDEN, c'est-à-dire tu dois avoir porté, tu dois avoir un certain profil, un critère sur le social, que ce soit sur les notes, que ce soit sur d'autres points comme les soft skills, les hard skills. Et la particularité des Dual Studio maintenant, c'est que ce ne sont pas des offres que toutes les entreprises proposent. Très souvent, ce sont des offres que certaines entreprises proposent et parfois liées à certains endroits parce que c'est très souvent un partenariat avec des universités. Donc, du coup, parfois, pour avoir un Dual Studio, ça, il faut vraiment chercher les villes où justement ces entreprises là proposent les Dual Studio et éventuellement y aller, se bever, ben y aller étudier. Donc, c'est non seulement on tenait même Gebunden, mais également, c'est lié également au lieu parce qu'ils font ça en partenariat avec une université qui est très souvent dans la même ville. Mais sinon, je ne vais pas faire un autre meeting là-dessus, mais effectivement, tu as raison, c'est une autre éventualité. La difficulté qu'on a, nous, Camerounais qui venons ici, c'est que très souvent, on n'a pas un tracking, c'est-à-dire un Allemand venant ici peut présenter, par exemple, un Freiwillig Jahr qu'il a fait, un Ausbildung qu'il a fait ou encore de bonnes auto-abitur. Or, nous, très souvent, en venant ici, on vient de zéro, entre parenthèses, si notre abitur n'est pas considéré. Et donc, du coup, c'est un peu ça la difficulté dans le Dual Studium, éventuellement, de l'acquérir. Mais sinon, c'est une autre forme tout à fait intéressante. Justement, qu'elle a ses particularités. Mais là, éventuellement, on va aborder cela éventuellement dans le prochain, dans notre séminaire. Mais merci déjà pour la remarque. Donc, comme Franck l'a mentionné, c'est un très bon point qu'on note aussi et qu'on garde pour les prochains. Pour les prochains webinaires, je crois que je voulais rapidement aussi avoir l'intervention de Raoul dessus. Qu'est-ce que tu en penses rapidement aussi? Oui, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, le Dual Studium, c'est l'étude combinée avec une expérience pratique en entreprise. Et Franck l'a si bien dit, toutes les entreprises n'offrent pas de Dual Studium. C'est aussi un thème compliqué parce qu'on n'a pas de Dual Studium dans toutes les filières. La plupart du temps, quoi. Il y a des filières assez spécifiques. Ça dépend parfois du profil de l'entreprise. Et il faudra aussi que l'université accepte cela, quoi. Lorsque la décision est prise de faire un Dual Studium, il faut être pris à l'entreprise. Et où je suis actuellement, il y a aussi des étudiants qui font le Dual Studium, avec qui on travaille. Donc, ils sont parfois là. Bon, nous, on a la chance, peut-être, en tant que Camerounais, d'avoir ce Dual Studio. Mais je dirais que c'est très bien, puisque très tôt, tu es en contact avec le monde professionnel. Tu comprends mieux ce que tu fais et tu mets en pratique ce que tu acquiers à l'université comme connaissance théorique. Tu as parallèlement une source de revenus stable durant tout ton cursus scolaire, ce qui te permet de mieux planifier tes études. A contrario, je dirais que ceux qui font le Dual Studio n'ont presque pas de vacances parce que pendant les périodes creuses, ils sont obligés de travailler en entreprise. Un autre avantage ou inconvénient suivant les entreprises, tu es en fait limité à une seule entreprise. Donc, tu n'as plus le potentiel là, de faire plusieurs activités en parallèle. C'est-à-dire, depuis ton cursus, le début de ton cursus jusqu'à la fin, tu vas te retrouver en train de travailler uniquement dans une entreprise. Et parfois même, c'est conditionné qu'à la fin de tes études, tu fasse 2 ans dans cette entreprise-là, quoi. Ce qui fait que dans ton CV, généralement, ce n'est que cette entreprise-là. Donc, tu n'as pas vraiment la latitude de faire plusieurs expériences, en fait. Ouais, je comprends mieux. Donc, voilà, c'était un peu ça en ce qui concerne George. Ça a l'air vraiment aussi intéressant. Je viens de découvrir certains trucs-là. Donc, on aura l'occasion de s'attarder dessus. Discuter encore un peu plus avec des personnes qui ont encore un peu plus d'expérience ou bien qui forment justement le Dual Studium qui pourront aussi nous donner un peu, reste aussi effectivement un autre moyen de financer les études et même de subvenir aux besoins et autres qui sont au pays et tout. Donc, comme je disais, on va bientôt fermer le marché. Donc, c'était vraiment un merci encore à Raoul pour le temps qu'il a pris pour aujourd'hui, pour son intervention, pour ses conseils, pour ses petits tips.
C'est vraiment très intéressant et bon, on espère, et bon, ce que l'on veut juste à travers justement ADI Académique, c'est pouvoir, comme je l'avais mentionné, c'est pouvoir organiser ces webinaires très souvent aussi pour donner l'occasion à des personnes comme Raoul, comme Oscar et bien d'autres encore de la communauté de partager leur expérience parce qu'on apprend, tout le monde. Et ce serait vraiment une très bonne chose que l'on puisse justement avoir ces conseils-là, pouvoir les appliquer aussi et être quand même prévenu face à certaines situations et tout. Donc, pour ceux qui aimeraient rejoindre la communauté ADI, Germanie en Allemagne, Franck a envoyé le lien dans le groupe. Ouais. Le lien, j'ai envoyé dans le groupe. Et je l'envoie encore. Et c'est vrai qu'on n'a pas, beaucoup de séances d'échange ensemble sur la vision de ADI, sur connaître vraiment ADI, parce que à vrai dire, pour être honnête, humblement parlant, ADI est vraiment vaste. Donc certaines personnes peuvent s'imaginer que ADI se résume aux activités académiques, mais c'est vraiment loin. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être on va pouvoir le faire à un autre meeting, à moins que peut-être le modérateur décide si c'est qu'on peut parler un peu de ADI pour 10 minutes. Mais sinon, on va seulement peut-être voir ça un autre jour, quoi. Donc, je crois qu'avec les petites présentations, chacun peut un peu se faire une idée. En rejoignant le groupe aussi, vous aurez l'occasion d'en apprendre un peu plus. On espère qu'avec le webinaire, quand même, on a un peu tiqué, un peu piqué la curiosité. Comme le président Franck a mentionné, c'est assez vaste. C'est très vaste, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan personnel, sur beaucoup de plans. Il y a beaucoup à dire concernant ADI. Mais bon, vu qu'on voudrait aussi pouvoir respecter un certain plan, on va se dire, s'il n'y a pas d'autres questions, bien évidemment, pas d'autres questions en rapport avec ce que nous avons fait. Ou alors, vous pouvez noter les questions, vous pouvez les écrire même dans le chat aussi. On pourra les noter, on organisera des thèmes en fonction de ce que vous avez dit. Et voilà. Il y a aussi Booster sa recherche d'emploi qui a envoyé le lien de son groupe là pour les conseils. Oui, Franck, tu peux intervenir. Ok. D'accord, merci beaucoup. Je disais Franck, désolé. Comment les jumeaux là? Il faut préciser. Oui, Franck, tu crois que tu voulais... Non, bon, c'était peut-être un dernier mot pour les panélistes parce que, effectivement, lors de la présentation et lors des discussions, on a fait insister justement sur les bonnes notes, les bonnes performances à l'école. Et je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent, que ce ne soit pas vu comme une sorte de découragement que non, c'est bon, je n'ai pas de bonnes notes, c'est que Dieu ne m'a pas donné, ce n'est pas fait pour moi. Mais ça soit plutôt vu comme une sorte de motivation, que ok, être genre école, entre parenthèses, se contenter à l'école, ça donne des avantages, ça ouvre des opportunités. Et ça doit être perçu comme une sorte de motivation, justement, pour prendre ses études au sérieux. C'est aussi notre justification ici en Allemagne, et c'est aussi notre autorisation sur le fait de rester sur le sol allemand. Maintenant, à côté des bonnes notes, et les faire se donner le meilleur de soi, il y a beaucoup de choses à dire énoncées. Par exemple, un bon CV, une bonne lettre de motivation, des hard skills, des soft skills. Et donc, pour ces personnes ici qui pensent que bon, les notes ne sont pas assez bonnes, ce n'est pas la fin du monde. Booster également les autres trucs comme le CV, la lettre de motivation. Faites un profil en béton, formez-vous, il y a formation gratuite, peu chère, prenez ce qui vous intéresse. Et muscler votre profil. Toute personne peut avoir au final un VH student ou un EV. L'essentiel, c'est justement de booster ses points forts, que ce soit sur la lettre motivation, que ce soit sur les hard skills, que ce soit sur les notes. Donc, c'est sur ce que ce sera mon dernier mot. D'accord. Merci Franck pour cela. Comme j'ai dit, c'était à peu près ça sur le thème que nous avions. Avant de fermer complètement, je vais donc, pour terminer, donner la parole à Franck qui va rapidement un peu parler de ADI et tout. Bon, Franck, Delphine veut intervenir aussi déjà. Bon, Franck peut continuer, peut parler. Je vais le suivre après. OK.
Donc, ce sont, disons, les mots de fin. Franck va rapidement parler un peu de ADI. Je ne sais pas si Alex Thiago est disponible. Bon, c'est comme si le secrétaire... Non, je suis là, Franck. Tu as notre PowerPoint magique là. Une minute. Ok. Bon, Naya, généralement, c'est une coutume d'échanger, de prendre quand même 10 minutes pour parler un peu de la vision de ADI. Parce que vous voyez, par exemple, Delphine peut vous dire, bon, c'est aujourd'hui qu'on a encore posé depuis peut-être combien de mois, je ne sais pas. Et paraît avec beaucoup d'autres personnes. Ce qui fait que parfois, c'est généralement dans certains événements comme ça qu'on essaye de pouvoir essayer un peu de transmettre la petite vision pour laquelle on bataille, non? Pour laquelle on bataille, quoi. Bon, avant que le PowerPoint d'Alex arrive, qui va durer peut-être 6 minutes ou 7 minutes, ce que je peux seulement dire, c'est que ADI fait dans le social à travers les webinars, workshops, ADI Academy, les sensibilisations. On organise des sensibilisations fréquemment au Cameroun, des campagnes de sensibilisation où les gens se déplacent à Yaoundé, Bafoussam, un peu de partout et tout. Et c'est pour contribuer au développement social. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais la vision intéressante pour laquelle j'inviterai chacun, c'est le côté holding également. ADI a lancé récemment un programme de holding qui s'appelle ADI Holding Empire. Et le truc, c'est quoi? C'est que pour une personne qui veut lancer un business au pays, parfois, ça le coûte pratiquement 20 000 euros. Et après, c'est parfois beaucoup plus difficile pour lui de gérer toutes les situations qui se passent au pays. Donc, du coup, tu te lances avec tes 30 000 euros et après ça, ton business ne marche pas comme tu veux, tu perds plus de 10 000 euros et c'est tout ça qui devient pénible, encore plus pénible quand on est étudiant. Donc, et c'est pour ça qu'avec le programme de holding, c'est un programme où chaque personne, chaque étudiant a juste besoin de cotiser 1 000 euros.